Eh bien, euh, bah, bonsoir à tous. Bah, je, je remercie euh, les camarades de la Libre Pensée euh, de l'Héros, de Montpellier, de Béziers, de cette et de m'avoir demandé euh, de vous expliquer un, un certain nombre de choses. Euh, c'est à la fois très contraignant comme mode, mais en même temps c'est moins fatigant parce que ça évite les, les déplacements. Il faut toujours voir, euh, comme on dirait, les, les côtés positifs des choses. Alors, le sujet qu'on m'a demandé d'aborder de, dans, dans cette visioconférence, c'est euh, euh, qu'est-ce que la laïcité, est-elle déformée, qu'est-ce qu'elle n'est pas, qu'est-ce qu'elle est, qu est Alors, qu'est-ce que la laïcité D'abord, c'est une excellente question, et je vous remercie de me l'avoir posée. Euh, ce, ce pas, la laïcité n'est pas une philosophie, même si, bien évidemment, elle a des bases philosophiques. Euh, la laïcité, ce n'est pas un art de vivre ensemble. Même si, bien évidemment, quand la laïcité est respectée par tout le monde, ça permet de vivre ensemble en harmonie et dans la paix civile. La laïcité, ce n'est pas non plus une religion civile auquel tous les citoyennes et les citoyens seraient amenés à l'obligation de croire et de pratiquer. Ce n'est pas non plus la laïcité une idéologie d'État. Alors vous me direz, une fois qu'on a dit ce que pas, qu ce n'était pas, qu'est-ce que ça peut être alors vous savez, je, je cite souvent ça dans mes, dans mes conférences. Euh, en 1956 en Pologne, au moment de la grande vague révolutionnaire contre le stalinisme, euh, il y a eu un grand poète qui a écrit un texte célèbre qui s'appelait Qu'est-ce que le socialisme et donc, il expliquait ce que n'était pas le socialisme, c'est-à-dire le parti unique, la police, les camps, la répression, tout ça. Et ça terminait par la question, qu'est-ce que c'est qu'alors que le socialisme Et il répondait, c'est une bonne chose, camarade. Bien, je pourrais vous dire que la laïcité, c'est aussi une bonne chose, mais je ne suis pas sûr que ça satisfasse pleinement votre désir de connaissance. Alors, la laïcité, on pourrait définir ça comme un système juridico-institutionnel qui sépare le religieux du politique. Mais par politique, on n'entend pas parti politique, on entend police, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire la vie de la cité. Et donc la laïcité, c'est l'organisation d'un système institutionnel qui met d'un côté ce qui relève de l'intérêt général de la sphère publique et de la gestion de l'intérêt général, et de l'autre, tout le reste donc notamment les religions et, et, et les points de vue des, des personnes. Il Faut savoir que ce système a été mis au point et, euh, et s'est construit en fait de manière très longue hein, euh, à travers les siècles. Euh, notamment, euh, il y a eu une réaction à ce qu'on a appelé euh, le baptême de Clovis, dont personne ne sait vraiment s'il a existé. En, en, en 496, euh, là où la légende dit que Clovis aurait été baptisé par l'évêque Rémy, Les premiers comptes rendus, on peut dire, de la relation du baptême de Clovis, c'est un siècle après. Hein. Donc, ce n'était pas tout jeune. Et c'est là que l'évêque Rémy aurait dit euh, Courbe la tête, fier si cambre, euh, brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. À partir de ce moment-là, s'est créée autour de cette légende, de ce fait, une dynamique politique et institutionnelle qui faisait que le pouvoir civil, militaire, politique, n'avait de légitimité que s'il était oint par l'Église catholique. Et la grande crainte des monarques pendant des siècles, qu'ils soient rois, empereurs euh, ou régents, c'était d'être excommuniés, parce qu'ils perdaient là leur légitimité à gouverner les sociétés et à gouverner les peuples. Donc il y avait une, une domination cléricale sur le politique, sur la société. C'est le pape qui décidait qui était légitime, qui ne l'était pas. C'était la reprise de, et la mise en musique, on peut dire, de l'épître de Paul aux Romains, qui disait il n'y a pas d'autorité qui devienne de Dieu ou qui soit librement consentie par lui. En conséquence, rajoutait-il, l'esclave doit obéir au maître et la femme à son mari. Bon, ce qui était déjà une certaine conception. Euh, ça voulait dire, donc en fait, il n'y a pas d'autorité possible sur Terre si ça n'est pas voulu directement par Dieu, ça c'est le must. Ou si c'est autorisé par lui, c'est un peu, euh, si vous voulez, l'application de ce que appelait la congrégation de l'index en matière d'imprimerie. Soit vous aviez l'imprimature, c'est-à-dire que ça correspondait complètement, euh, comment dirais-je, euh, aux test de l'Église. Soit vous aviez le nihil l'obstacle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce que ça soit publié. Et eh bien, euh, cette conception de, de Paul, euh, c'est de dire soit le pouvoir est autorisé et voulu par Dieu, soit il est simplement autorisé par lui. À partir de ce moment-là, bien évidemment, euh, notamment les rois, les empereurs, voyaient ça plutôt d'un mauvais œil. Et il y a eu tout un combat multiséculaire pour essayer euh, d'affirmer le pouvoir civil et militaire et politique contre le pouvoir religieux. Et le premier véritable acte de, de la marque de ce combat, ça a été l'édit de, de... le Concordat de Bologne de 1516 fait par François Ier, qui indiquait que euh, le roi avait près de dominance sur les décisions du clergé et, et, et du, du pape. Et puis après, il y a eu toute une série de, de mouvements historiques qui ont fait que de plus en plus le pouvoir militaire, civil, royal, à essayer de, 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 de s'imposer par rapport aux, aux problèmes religieux. Mais ce système-là, c'est vraiment l'avènement du cléricalisme, faisait qu'il y avait une totale fusion euh, entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil. Se discutaient de qui avait euh, la, la, la part la plus importante. C'est rentré dans, dans, dans l'Empire d'Occident sous la théorie euh, des deux glaives, le glaive spirituel et le glaive temporel. Donc il donc y a eu tout un débat, euh, le pape disait le glaive temporel, c'est-à-dire le roi, est inférieur euh, au, au, au glaive spirituel, les rois disaient l'inverse. Dans l'Empire d'Orient, on s'est on rentré sous une autre dénomination, ça s'appelait la symphonie des pouvoirs, c'est-à-dire qu'en fait les deux pouvoirs agissaient, euh, agissaient de concert. Donc tout était mélangé. En Orient comme en Occident, euh, les deux pouvoirs, euh, civil, militaire, royal et religieux, étaient mélangés. Les individus dans cette euh, société-là, euh, comment dirais-je, euh, n'avaient aucune place, n'avaient aucun droit. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si sous l'Ancien Régime, on indique que euh, l'individu, homme ou femme, est un sujet. Sujet du roi, sujet de l'Église. Donc ce n'est pas l'objet, c'est le sujet. Euh, et comme il était sujet, il n'avait que des devoirs envers son créateur et son représentant sur Terre, qui, qui était l'Église. Le 26 août 1789, au moment de la Révolution française, les révolutionnaires sont pris d'une audace folle et ils indiquent l'homme a des droits uniquement parce qu'il est homme et tous les hommes sont égaux en droits. C'est-à-dire que l'homme n'est plus un sujet. L'homme est un, un, un auteur de droits, un créateur de droits, un utilisateur de droits. Il n'est plus un sujet puisque le terme de sujet implique qu'il n'y ait que des devoirs, mais pas de droits. L'individu, sous l'Ancien Régime, n'a aucun droit, il n'a que des devoirs. Donc, la, la déclaration du 26 août 1789, qui est l'œuvre la plus phénoménale dans la Révolution française, qui n'en a pas manqué euh, de phénomène, euh, pose ce principe. Immédiatement, si l'homme a des droits uniquement parce qu'il est homme et que tous les hommes sont égaux en droit, il n'y a plus besoin du Créateur. Il n'y a plus besoin de Dieu. Dieu est chassé de la police, de la, la, la cité politique. À partir du moment où il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'a plus aucune place. Alors même si la déclaration des droits de l'homme se place sous les auspices de l'être suprême, qui on peut parler de ce qu'on veut, c'est le grand horloger, le grand pâtissier, le grand architecte, tout ce qu'on veut, c'est quand même une notion religieuse. Mais la déclaration des droits de l'homme, même si elle se place sous les auspices de l'être suprême, dit exactement le contraire. Euh, ça va durer ça quelques années jusqu'en 1801, au moment où le Bonaparte décrète le Concordat. L'une des conséquences du Concordat, c'est de dire que toutes les religions sont des services publics et tous les religieux sont des fonctionnaires. Alors il y a 1801 le Concordat, 1804 les actes organiques qui étendent le Concordat. Euh, avec l'Église catholique au culte protestant, et 1808 euh, le décret infâme qui étend les dispositions du concordat euh, à la communauté juive. Euh, il faut savoir qu'un concordat, c'est un accord diplomatique qui est fait entre le Vatican et un État. Donc c'est toujours un accord diplomatique, un concordat, et c'est toujours avec, avec le Vatican, avec l'Église catholique, pour donner des faveurs à l'Église catholique et des privilèges. Alors selon les concordats, selon les moments, selon l'histoire, c'est plus ou moins des avantages, mais c'est toujours des, des avantages. Mais la conséquence du concordat, c'est de dire que les religions reconnues, officielles, sont des services publics, et les ministres du culte, qu'ils soient euh, prêtres, évêques, archevêques, cardinaux, euh, pasteurs, protestants ou rabbins juifs sont des fonctionnaires, donc ils sont payés comme des fonctionnaires et d'ailleurs on voit la survivance de ça dans le concordat, dans le statut clérical d'Alsace-Moselle où euh, l'évêque euh, a quand même un, un rang de fonctionnaire de, de haut grade, les curés sont des fonctionnaires bien payés, donc c'est une survivance de ça. Bien évidemment, il y, a, il y a des avancées, il y a des reculs, il y a des contestations, et l'idée démocratique de laïcité, c'est-à-dire de respect de la liberté de conscience, euh, finit par, euh, par avancer. Il y a eu une première séparation de 1795 à 1801, il y a eu une deuxième séparation pendant la Commune de Paris, et là, ça n'a duré que deux mois et, et quelques jours, et petit à petit, les républicains s'emparent et expriment leur adhésion à ce principe de la séparation des Églises et de l'État. Et, et ils vont à partir de 1879, quand il va y avoir le triomphe de la majorité républicaine à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, ils vont instituer toute une série de lois qui vont mettre en œuvre ce principe de liberté de conscience, de liberté démocratique et tout ça. Nous avons fait une vidéo à l'occasion du, du, du 9 décembre, allez sur le site et je vous invite à, à, à la regarder, euh, qui indique que la démocratie en France, dans notre République, euh, repose sur quatre, principes, sur quatre lois qui reposent elles-mêmes sur un principe toujours le même, la liberté. Il y a la loi sur la liberté syndicale en 1884 qui permet euh, aux syndicats de s'organiser librement, indépendamment de l'État, des églises et du patronat. Il y a la loi de 1884 aussi sur l'organisation des communes, qui est une véritable loi jacobine, c'est-à-dire une véritable loi où ce sont les entités de base qui dirigent et qui décident. C'est ce qui fonde les libertés communales. Il y a la loi de 1901 qui permet d'organiser la liberté d'association. Chacun peut faire avec qui il veut, pour n'importe quel objet, ce qu'il veut, euh, comment euh, une association qui n'est même pas obligée de déclarer et de déposer en préfecture. Et puis, la quatrième loi fondamentale qui, est, qui repose sur la liberté, c'est la question de, de la loi de, du 9 décembre 1905 de séparation des, des églises et de l'État, qui garantit la liberté de conscience c'est-à-dire chacun a le droit de penser ce qu'il veut, de croire ou de ne pas croire. En conséquence, mais c'est une conséquence, ce n'est pas une cause, la République assure la liberté du culte, le libre exercice des cultes, c'est la formule de la loi de 1905 et de son premier article, mais pour faire cela, la République définit un principe qui est fondamental, qui est la République ne reconnaît, ne revendique, ne salarie aucun culte. Quand on dit la République et on est en plein cœur du débat actuel, ne reconnaît aucun culte, c'est qu'elle ne, elle ne dit pas qu'elle ne connaît pas les cultes. Elle ne les reconnaît pas. C'est le principe juridique. Quand des parents reconnaissent un enfant, ils lui ouvrent des droits. Si la République reconnaît un culte, la République lui ouvre des droits. Des droits. La loi de 1905 dit, on ne reconnaît aucun culte, les cultes n'ont aucun droit. Ils sont fondus dans la masse des organisations, des associations, des regroupements de personnes, d'idées. Ils n'ont aucun droit particulier. Mais pour ne pas reconnaître les associations religieuses, il y a un principe fondamental qui est dans l'article 2 de la loi de 1905, c'est la, euh, la République ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Parce qu'à partir du moment où la République subventionne un culte, elle lui donne un ou deux ou trois. Euh, elle lui donne, comment dirais-je, un, un statut particulier et, et euh, elle, elle reconnaît un statut particulier. Comme il y a euh, 6000 religions dans le monde, euh, vous imaginez, si la République salarie tous les cultes, euh, le budget va pas suffire. Hein. Euh, donc cette décision, elle est, elle, elle est prise. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, elle ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie euh, aucun culte. Donc les républicains se disent on, il faut séparer les églises de l'État. Oui mais le concordat fait que toutes les religions sont du service public et tous les ministres du culte sont des fonctionnaires. Et il n'existe pas à ce moment-là deux domaines juridiques qui définit et qui détermine ce que c'est que le privé et la sphère du privé. Donc Petit à petit, la République va émettre un certain nombre de lois, et notamment, elle va, là, une des lois les plus importantes aussi, vont être les lois scolaires de Jules Ferry de 1881, 1882, 1886, qui vont fonder l'école publique, parce que pour fonder une République consciente, il faut des citoyens conscients, il faut donc des, des citoyens instruits. Euh, et la première tâche de la République, c'est apprendre à lire, à écrire, à compter, à réfléchir, à, 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 à décider. Quand au bout d'une génération, les lois scolaires seront euh, de plein effet, l'opinion publique va changer, va se retourner et va devenir partisane majoritairement de la séparation des églises et de l'État. Mais pour séparer les églises de l'État, euh, il faut déterminer d'abord, fonder juridiquement le domaine privé. Pour fonder le domaine privé, qui n'existe pas du temps du Concordat, euh, donc c'est pour ça que la loi de 1905 va dans son dernier article abroger le concordat il faut créer juridiquement le service privé pour, pour créer le service, euh, enfin le, la sphère privée c'est la loi de 1901 qui fonde juridiquement la sphère privée c'est à dire la loi, cette loi est connue aujourd'hui comme étant essentiellement la loi sur la liberté d'association euh, mais quand vous la lisez et si un jour vous avez la curiosité de la lire vous verrez que les trois quarts de la loi de 1901 à l'origine, sont consacrées aux congrégations religieuses. Donc à partir de la loi de 1901, est créée la sphère privée qui permet donc à n'importe qui, avec n'importe qui, de faire n'importe quoi pour n'importe quel objet. C'est ce qui fait que dans notre pays, il y a un million d'associations, donc un million de présidents, de trésoriers, de secrétaires, ça, ça occupe du monde. Mais le domaine juridique, il est comment dirais-je tout à fait bien codifié. La deuxième grande loi dans la foulée, ce sera la loi de 1904 contre les congrégations religieuses qui impose une reconnaissance enfin une demande comment dirais-je d'autorisation d'exister sur le territoire de la République pour les congrégations religieuses. Il y a à l'époque 1500 congrégations religieuses, il y en a que trois. Qui sont autorisés à fonctionner, liés bien évidemment à l'armée et à la colonisation. Et là s'établit quelque chose qui va être extrêmement important dans la loi de 1905, c'est la distinction entre ce qu'on appelle le clergé séculier et le clergé régulier. Le clergé séculier, c'est le clergé qui est dans le siècle, dehors, donc à billot, pour vous donner une idée de ce que ça peut, ça peut être, donc en soutane ou sans soutane. Euh, le clergé séculier prononce des vœux d'obéissance de célibat mais il ne prononce pas de vœux de chasteté le clergé régulier donc qui suit une règle ce sont les congrégations religieuses et elles doivent bien évidemment prononcer des vœux d'obéissance de célibat de chasteté et surtout d'obéir à une règle et de suivre une règle, et notamment les congrégations enseignantes religieuses ont l'obligation de n'enseigner que la vérité révélée. Et c'est pour ça que les républicains, même avant, ont toujours combattu les congrégations parce que c'est pas le clergé normal, c'est un clergé à part. Et si vous êtes une enseignant congréganiste, vous devez enseigner la vérité révélée. Or, le problème de l'enseignement, c'est d'amener des enfants, des élèves, des euh, disciples à, à comprendre les choses à émettre un raisonnement et trouver la solution. C'est-à-dire quelque chose qui est totalement contraire à la notion d'enseignement de la vérité révélée. Et c'est pour ça que la loi de 1904 est extrêmement importante parce qu'elle établit un principe. Il n'y a pas de vérité révélée, il n'y a pas de vérité officielle, il n'y a pas de vérité politique. Ça redond, ça, il y a quand même une certaine redondance aujourd'hui avec euh, ce qu'indiquait euh, Alban dans son propos euh, préliminaire. Euh, quand un maire à Montpellier se permet de dire ⁇ je vais aller dans les écoles faire des conférences sur la laïcité euh, ⁇ il va donner un point de vue politique à, à des enfants qui ne sont pas en mesure de le débattre. Voire même de le comprendre, pour la plupart s'ils sont très jeunes. Mais ça veut dire qu'en fait, il vient en tant qu'élu politique pour énoncer une vérité politique, en quelque sorte, une vérité révélée. Et ça, tout est fait, bien sûr, au nom de la laïcité, mais, comment dirais-je, c'est tout à fait contraire à la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est pas imposer un point de vue. Enfin, après les deux grandes lois, 1901 et 1904, que Pétain va abroger pendant le régime de Vichy et qui ne sera jamais rétabli ensuite, euh, il y a la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. On a pu la faire car la sphère publique était délimitée de manière très précise avec la sphère privée, qui était codifiée par la loi de 1901. Les choses sont claires à partir de ce moment-là. La sphère publique gère l'intérêt général. C'est-à-dire, c'est l'administration, les services publics, les délégations de services publics, tout ce qui sert l'intérêt général. S'impose, donc, ipso facto, dans ce champ d'intervention, la neutralité, la laïcité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes détenteur de la puissance publique et que vous gérez l'intérêt général ou une partie de l'intérêt général, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une opinion, qu'elle soit politique, syndicale ou religieuse parce que vous représentez la totalité des gens et de l'intérêt général et des citoyens. Et puis le reste, ben c'est le reste. Et c'est ce qu'on appelle la sphère privée. Tout ce qui n'est pas administration, service public, intérêt général, c'est la sphère privée. Beaucoup de gens mal ben, intentionnés confondent volontairement un, euh, sphère privée avec collectif, par exemple, hein, ou sphère publique avec sphère collective. Un match de football est une expression collective d'un sport n'est pas le service public vous allez au cinéma, vous êtes nombreux dans la salle c'est collectif c'est pas le service public c'est pas le service public ça n'a rien à voir c'est dans le domaine privé ça je crois que c'est extrêmement important et les opinions c'est l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 qui le dit précisément et qui est un fondement constitutionnel dans notre pays, euh, tout le monde a le droit d'avoir des opinions, même religieuses, et personne ne peut être poursuivi euh, pour ses opinions, sauf si, bien évidemment, ça remet en cause euh, l'ordre public. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène où si on ne respecte pas cette, si cette séparation sphère publique-sphère privée, en fait, euh, on mélange la laïcité à toutes les sauces, et quand la laïcité est partout, eh bien, la laïcité n'est nulle part. C'est pour ça que nous sommes contre les chartes de la laïcité, qui veulent imposer aux associations le fait de pouvoir, euh, comment dirais-je, euh, mettre en œuvre le principe de laïcité. Il faudrait que les associations, euh, comment dirais-je, euh, soient des, des promotions de, de la laïcité. Or, le principe de la des associations, c'est qu'elles ne sont pas par principe laïques, puisqu'elles expriment une idée et un point de vue. Donc, quel qu'il soit, d'ailleurs, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Donc, vouloir imposer à, à des associations de mettre en œuvre la laïcité, c'est une violation de la laïcité et c'est surtout une violation des, euh, des libertés euh, démocratiques. Ça, ça, ça doit être quelque chose d'extrêmement euh, important. Alors, une fois qu'on a dit ça sur la laïcité, on peut aborder euh, sans difficulté, pour l'analyser, ce qu'est le projet de loi dit de laïcité, enfin, qui est évolutif qui était d'abord contre le séparatisme musulman, puis qui a été pour la laïcité, puis qui maintenant, là, mais ça va encore changer certainement, pour le renforcement des principes républicains. Donc tout ça, c'est complètement erroné. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle la loi euh, sur le séparatisme. Dans l'exposé des motifs de cette loi, il est indiqué, euh, c'est l'objectif, la République demande une adhésion de tous. Et là, on est déjà au cœur du problème. La République ne demande pas une adhésion de tous. La République demande le respect des lois. Et les lois peuvent changer si on estime qu'elles ne sont pas bonnes. Mais personne ne, 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 vient, ne doit vous dire, vous devez adhérer à la République, vous devez croire à la République, vous devez pratiquer la République, vous devez vous signer quand vous passez devant un hôtel républicain. Euh, Ce n'est pas ça la République. La, la grandeur de la République, notamment, c'est d'admettre en son sein des gens qui ne sont pas pour la République. Parce que si la République demande l'adhésion de tous, bah, qu'est-ce qui va se passer pour les anarchistes Qu'est-ce qui va se passer pour les révolutionnaires Qu'est-ce qui va se passer pour les royalistes Pour ceux qui veulent vivre à l'état de nature, qui, qui, qui refusent toute institution et toute organisation de la société Non, la République ne demande pas une adhésion de tous, elle demande le respect des lois, ce qui est tout à fait euh, autre chose. Je vous disais dans mon propos que la laïcité, ce n'est pas une idéologie d'État et ce n'est pas une religion, même une religion civile. Là, dans l'exposé des motifs, Macron, son gouvernement, ses ministres et ceux qui ont écrit cette, ce projet de loi nous disent la laïcité, c'est une religion civile, ce qui, est une, ce qui est une aberration. Et donc, si c'est une religion, qu'elle soit civile ou pas civile, ça veut dire qu'il on, on est appelé à y croire. Et ce que ça dégage comme idée, c'est qu'il y aurait une idéologie d'État à laquelle il faudrait croire. Et donc là, une idéologie d'État, une idéologie de n'importe quel État, c'est une idéologie totalitaire. Vous avez le droit de ne pas être pour l'État, vous avez le droit de contester les lois, vous avez le droit de voter, de voter pour les changer ou d'utiliser d'autres moyens. Là, c'est l'embrigadement qui est, qui, qui, est, qui, qui est monté. Alors, les conséquences de la loi sont, euh, comment dirais-je, très claires, du projet de loi. À partir du moment où on dit. C'est l'adhésion de tous. Ah, bien évidemment, il faut bien qu'ils comprennent que ça ne se sera pas l'adhésion de tout le monde. Donc, tous les gens sont suspects. C'est pour ça que le complément naturel et obligé de cette loi, c'est le fichage généralisé. Il est sorti le 2 décembre. Nous avons sorti hier un communiqué de presse pour analyser les, les, les trois décrets qui sont sortis. Tout le monde est fiché. Ça provoque même des réactions extrêmement négatives, notamment par exemple euh, Yves Verrier, qui est le secrétaire général de la Confédération Forces Ouvrières, a protesté sur le fait que euh, maintenant, dans les fichages, on mettrait les indications syndicales, d'appartenance syndicale. Bon, Que dans des fichiers, donc, pensez on peut penser ce qu'on veut, il y a des trucs du genre a commis des délits, euh, et suspect de terror, enfin, euh, a été condamné pour terrorisme, tout ça, bon, euh, c'est un peu la logique liberticide. Mais l'appartenance syndicale, en quoi mon appartenance syndicale, elle, elle regarde la police, si je respecte les lois et si je ne suis pas déféré devant les tribunaux. Donc ça pose, ça pose quand même un, un, un véritable problème. Autre problème, par exemple, si euh, euh, vous êtes suspect par des propos, par des attitudes, par des arguments, par des suspicions euh, euh, de faire l'apologie du terrorisme, vous êtes automatiquement inscrit dans les fichiers terroristes. De la, de, de, de la police. Avant, il fallait une décision du juge pour que vous soyez inscrit dans un fichier de ce type. Aujourd'hui, ça va. Enfin, dans le projet de loi, hein, c'est fait. Ça sera fait automatiquement dès que quelqu'un, un, un, un policier euh, verra euh, que vous pourriez peut-être avoir dit que euh, vous serez inscrit automatiquement dans un, dans un fichier terroriste. Vous imaginez la vie que ça va mener pour un certain nombre de gens d'être fiché dans un fichier terroriste, pour chercher un boulot, pour demander des papiers, pour faire une série de choses. Donc, euh, on, on sera comme ça. Donc Et ça, sans aucune justice, sans, sans aucune saisine de, de, de la justice et, 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 et de magistrats. Ensuite, il y a pour les associations, dans ce projet de loi, une menace permanente de dissolution. Par exemple, il est indiqué très clairement que si un ou des membres de votre association tient des propos qui sont jugés séditieux par la police ou par l'État, et si l'État considère que les responsables de cette association vous ont pas mis dehors à coup de pied, eh bien, l'association est dissoute quasiment automatiquement sans contestation Donc vous imaginez vous êtes un responsable associatif syndical politique euh, de locataire hein, d'un club de boules d'une sport, pratique sportive vous avez un ou deux osos qui font n'importe quoi on peut vous reprocher euh, à vous comme responsable de cette association les propos tenus par ces gens et dissoudre votre association. Donc c'est totalement, euh, totalement, liberticide et ça pose quand même un, un certain nombre de problèmes. Et pour pas se tromper non plus, et je vous invite à, à si vous l'avez pas, vous nous le demanderez, on vous le donnera l'exposé des motifs et, et, et le projet de loi, parce que les médias ont dit ça n'est plus l'islam, ça n'est plus les musulmans, ça n'est plus tout ça qui est visé, c'est un peu plus large. Voici en première page de l'exposé des motifs ce qui est dit un entrisme communautariste insidieux. Mais puissant, qu'engraine lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l'essentiel d'inspiration islamiste. Il est la manifestation d'un projet politique conscient, théorisé, politico-religieux, dont l'ambition est de faire prévaloir des normes religieuses sur la loi commune euh, que nous, sommes, nous nous sommes librement donnée. Il enclenche une dynamique séparatiste qui vise à la division. Donc, c'est bien un projet de loi, non pas pour conforter les principes républicains, mais un, un projet de loi. Contre le séparatisme musulman et contre l'islam et contre les, les, les croyants. D'ailleurs, il y a quelque chose que tout le monde note dans les associations, puisque nous faisons la libre-pensée partie de collectifs, notamment avec la Ligue des droits de l'homme, c'est que le titre de la loi dit Principes pour conforter le, les principes républicains. Or, il n'y a aucune proposition positive pour conforter le, les principes républicains. Aucune. Vous n'en trouverez pas une. Les seules, c'est répression, 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 fichage, dissolution. Donc ça pose quand même un véritable problème qu'une loi qu'on présente comme étant quelque chose pour renforcer, donc positif, les principes républicains ne contient aucune disposition qui renforce les principes républicains, au contraire qui les viole, que ce soit sur la liberté syndicale, sur la liberté associative, sur la laïcité, sur la démocratie. Bien évidemment, comme le gouvernement a quelques difficultés, Comment dirais-je, sur l'article 24 de la loi sécurité globale, il essaye, comment dirais-je, de le recaser dans l'article 18, hein, parce qu'au début c'était aussi le même article 24. Hein. Donc là, ils ont changé la numérotation des articles, parce que ça faisait quand même un peu gros. Donc c'est là dans l'article 18 du projet de loi séparatiste, on reprend les dispositions à peu près hein, de, de l'article 24. Et comme le dit d'ailleurs le syndicat de la magistrature, puisque nous, nous, nous travaillons avec eux et nous nous réunissons, euh, ce projet de loi aggrave une tendance grave et totalitaire de plus, de, de, depuis plusieurs années de changer la nature du code pénal. Le code pénal, c'est un code qui punit, qui sanctionne et qui, de ce point de vue-là, est donc euh, préventif, enfin qui est curatif, euh, comment dirais-je, et, 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 et punitif. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez fait un acte pour que vous subissiez les foudres de la loi. Or, depuis quelques années, c'est ce que nous indique le syndicat de la magistrature, dont on peut penser qu'il sait de quoi il parle, le code pénal tend à se transformer en punitif. Euh, mais, mais en préventif, je veux dire, excusez-moi. Mais en préventif. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il y a une disposition de, du projet de loi qui dit que euh, euh, si. Les détendeurs de l'autorité publique considèrent que les propos que vous tenez ont une intention malveillante, eh bien, ils peuvent, comment dirais-je, vous traduire en, en comparution immédiate. Et les magistrats posent un véritable problème. Qu'est-ce que c'est qu'une intention malveillante bon, euh, si, Vous pouvez le démontrer à partir de faits, pas à propos de, pas, pas à propos, de propos. Bon. La loi dit, ce qui est, qui est, qui est assez extraordinaire. Euh, donc, on va euh, faire des comparaisons immé immédiates, qui est une mesure d'exception, puisque euh, on prend les gens, ils n'ont même pas le temps de se défendre et on les met devant les tribunaux et on les condamne. Donc, ce sont des mesures d'exception pour des propos tenus sur Internet dans, dans l'intention malveillante et sans qu'il y ait l'existence d'un résultat. Donc, on va vous dire, vous avez une intention malveillante. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, vous allez passer en comparaison immédiate. J'ai quelques souvenirs de mon catéchisme, euh, il y a très, très longtemps, et de ma culture religieuse, c'est que même l'Église, même dans les pires moments de son histoire, a toujours dit il n'y a pas de péché d'intention. Il y a des péchés de fait, si vous commettez un acte, si vous faites un fait, mais si vous avez une mauvaise pensée, ce n'est pas un péché. Les mauvaises pensées ne sont pas des péchés, il faut qu'ils se réalisent pour que ce soit un péché. Eh bien, le gouvernement Macron, lui a inventé le, le, le code pénal avec intention, c'est-à-dire le péché d'intention dans, 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 dans le code pénal. Donc, je ne vais pas vous détailler parce que je ne veux pas être trop long, je suis déjà un peu long, euh, vous expliquer euh, euh, en détail le projet de loi, euh, je vous appelle à, à regarder les différents communiqués et analyses de la libre pensée où c'est détaillé. Cependant, euh, même si ce, ce, ce projet pose euh, <laughs> évidemment beaucoup de problèmes, euh, on sent bien que le gouvernement est extrêmement gêné. Il est extrêmement gêné. Euh, par exemple, il avait indiqué à plusieurs reprises que euh, le gouvernement labelliserait les associations cultuelles, c'est-à-dire les associations religieuses. La main sur le cœur, en même temps, il disait on se mêle pas du culte. Et il se mêle pas du culte, mais il voulait labelliser les associations cultuelles. Donc la contradiction était tellement fragrante qu'ils ont abandonné dans le projet de loi déposé le 9 décembre. Alors est-ce que ça reviendra après C'est toujours possible. Cette question de labellisation. Ils avaient dit, par exemple, si une collectivité territoriale, mairie, conseil général, conseil régional ou autre, euh, comment -je, euh, prend une décision qui n'est pas conforme au goût du gouvernement, euh, comment -je, et qui favorise le séparatisme, selon, selon le gouvernement, la collectivité territoriale sera dessaisie, et elle sera mise sous tutelle par le préfet. Donc, vous imaginez, les libertés communales issues de la Révolution française sont mises sous tutelle par, par le préfet, dès que le préfet n'est pas content, truc. Enfin, vous remarquerez que notamment à Béziers, le gouvernement et le préfet a l'air contents de la crèche de Ménard parce qu'il ne le met pas sous tutelle et qu'il ne l'interdit pas. Mais là, c'est tout à fait pour, 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 pour autre chose. Là, il a été, ça a été trop loin sur le point de vue des libertés démocratiques pour l'instant. Euh, si le préfet considère qu'une décision d'une collectivité territoriale n'est pas adaptée, euh, elle, il doit la déférer sous 48 heures au tribunal administratif et c'est le tribunal administratif qui jugera. Alors, c'est plus grave que ce qu'on connaît maintenant parce qu'il y a un délai plus long, hein, mais, mais euh, comme on dirait, c'est quand même pas aussi grave que, que, que ce qui était prévu. Et puis, et ça, ça va vous intéresser directement, le projet de loi ne mentionne plus du tout l'obligation de faire signer par les associations des chartes de la laïcité. ça a complètement disparu et c'est supprimé parce que ça pose un véritable problème. Euh, comment dirais-je euh, sur, la, sur la, la, la liberté des associations? donc toutes les collectivités territoriales comme montpellier ou autres qui disent il faut, il faut faire signer une charte d'association vont se retrouver hors la loi. Puisque la loi, qui, qui le faisait par anticipation du projet de loi sur le séparatif, la loi, le projet de loi ne prévoit plus de, de, de charte de la laïcité. Même, il y a un article de loi qui dit il ne sera pas exigé des associations d'appliquer le principe de laïcité au-delà de l'administration et du service public. C'est-à-dire qu'il est réaffirmé dans ce projet de loi une idée qui est, que je vous ai expliquée tout à l'heure on ne peut pas faire appliquer la laïcité par les associations. Donc, en théorie, si on est dans un principe républicain, toutes les revendications de charte de la laïcité sont mornées et à classer à la poubelle, puisque le, la loi va dire qu'on ne peut pas exiger des associations d'appliquer le principe de laïcité au-delà de l'administration et du service public, c'est-à-dire de l'intérêt général. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut, qu faut faire connaître parce que ça, ça va nous aider. Ils voulaient modifier la loi du, du 29 juillet 1881 sur la presse. C'est le débat de l'article 24. Là, dans le projet de loi, il ils disent qu'ils ne modifieront pas. Comment dirais-je, la loi. Et il y a eu aussi un, un, un recul important sur la question de l'enseignement à domicile. Non pas que nous, on soit tellement euh, libre penser favorable à ça, mais la loi de 1881 et celle de 1882 indiquent que l'instruction euh, dans notre pays est obligatoire. Donc, il n'y a pas le choix, il faut que les, les enfants soient instruits. Ça repose sur trois piliers l'enseignement public laïque, l'État a une obligation d'organiser l'enseignement public laïque. Cependant, ce n'est pas le monopole, il y a une liberté d'enseignement pour le privé. Et troisièmement, les familles peuvent instruire les enfants chez eux. Bien évidemment, et pour le privé et pour l'instruction à domicile, il doit y avoir des contrôles pour bien montrer que euh, les enfants sont bien instruits. Et puis le meilleur des contrôles, c'est d'ailleurs les examens. Parce que si, comme l'État a encore, malgré les tentatives de Sarkozy et de Kouchner, le monopole de la collation des grades, c'est l'État qui délivre les diplômes. Euh, « ben Écoutez, si un élève vient à un diplôme expliquer que le monde a été créé en six jours, il a peu de chances d'avoir son diplôme. Hein. » bon. euh, Donc, il y a encore ce, ce, cette barrière. Mais bien évidemment, le, le projet de loi aussi maintient toutes les dispositions, euh, puisqu'il voulait changer un certain nombre de choses sur la, sur la liberté de l'enseignement pour les familles. Euh, C'est marqué qu'ils allaient le, les réglementer, mais il y a tellement d'exceptions qu'en fait, ce euh, sera quasiment comme avant mais ils voulaient toucher aux trois piliers de l'instruction de, de, de en France, ils auraient pu modifier et abroger la loi de Bray. Bien évidemment, ils ne modifient pas la loi de Bray et ils maintiennent aussi toutes les dispositions du, 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 du régime de Vichy. Autre chose, euh, ils, sont, ils sont extrêmement embêtés de la réaction de tout le monde. Donc, comment faire en sorte d'intéresser les cultes à la mise au point et l'adoption de ce projet de loi. Alors ils ont décidé, c'est l'article 28 de ce projet de loi, euh, comment dirais-je, qui reprend l'article intégralement 38 de la loi dite de confiance, article qui a été abrogé, enfin retiré et non adopté par le, par le Parlement. Par l'article 28 de, du projet de loi séparatiste dit que les associations cultuelles, c'est-à-dire les associations chargées du culte, euh, de par la loi de 1905, de par la loi euh, de 1901, de par la loi de 1907, de par l'accord diplomatique de 1924 sur les diocésaines, eh il y a une labellisation, entre guillemets, de fait, d'associations cultuelles. Jusqu'à présent, ces associations chargées du culte n'avaient pas le droit de posséder des biens, hein, puisque euh, si elles possédaient des biens, d'un certain point de vue, c'était une remise en cause du non-financement public. Euh, elles n'avaient comme seul bien à gérer. Que les, associations, que les bâtiments qui ont été dévolus au moment de 1905, c'est-à-dire les églises, les presbytères pour les, par les communes et les cathédrales par l'État. Mais elles n'avaient pas le droit d'avoir un patrimoine immobilier et d'en faire des, des, des immeubles de rapport. C'était le principe de non-financement par l'autorité publique. Là, l'article 28 de la loi va permettre aux associations cultuelles de posséder des biens, de percevoir des biens par, par donation, de les louer. Et d'en tirer des bénéfices et de distribuer ces bénéfices à qui ils veulent. Donc c'est en fait une ingérence qui est totalement inadmissible. Euh, euh, la loi n'est pas faite pour que les associations cultuelles. Les, les associations religieuses, par ailleurs, ont des biens, mais pas, ce ne sont pas les associations cultuelles de la loi de 1905. Et ça s'appelle un projet de loi pour renforcer la loi de 1905. Bon. Euh, alors il y, a des, il y a des choses curieuses parce que. Il faut intéresser les, les, les religions. Donc, il faut aussi intéresser les laïcs. Alors, il y a un article alambiqué, qui est l'article 31, euh, comment dirais-je, de, de la loi, qui dit, sans préciser quoi, qu'il serait possible d'étendre certaines dispositions d'harmonisation de la législation laïque à, à l'Alsace-Moselle. Mais il n'y a pas un mot pour dire, euh, comment dirais-je, euh, ce que c'est. Ils disent qu'il faut appliquer la loi de 1905 en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Mais par contre, il n'y a aucune mention d'extension de la laïcité des principes de la loi de 1905 à la Guyane, où les salaires des prêtres sont payés par le, le comité, le conseil départemental, en Alsace-Moselle, à Wallis, à Mayotte, à Futuna. Euh, tout ça donc va rester en, en tant que tel. Donc on sent qu'il y, 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 y a une tentative de carotte pour les laïcs. Ils vont être extrêmement ennuyés. Parce que si un parlementaire, député ou sénateur, propose un amendement à l'article 31 ou à l'article 47 qui traite de ces questions-là pour dire euh, « il faut étendre la législation et abroger le statut clérical d'Alsace-Moselle et l'ordonnance de Charles X euh, en Guyane », ça va être difficile d'expliquer qu'il faut défendre la laïcité et pas voter cet amendement. Mais on peut compter sur Macron et ses amis pour réussir cette gymnastique. Pour terminer sur cette partie-là, avant de terminer sur la question des crèches, euh, il y a quand même quelque chose d'assez réjouissant. Ce gouvernement a tout le monde contre lui. Alors bien évidemment, il a les associations laïques, bon, comme la libre pensée, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, l'Union rationaliste et d'autres. Il a les organisations les syndicales, ouvrières, contre lui, puisque... Par cette notion d'extension de, de, de la neutralité euh, aux entreprises avec lesquelles les collectivités territoriales passeraient des commandes publiques, ce projet de loi prévoit que dans ces cadres-là, il y aurait application du principe de neutralité. Alors qu'il y ait des, des organismes privés qui ont une délégation de services publics à laquelle s'applique le principe de, de neutralité, c'est tout à fait juste. Je vous donne un exemple. Moi, je suis salarié à la CEPAM, à, donc une caisse primaire d'assurance maladie. Une caisse primaire d'assurance maladie est un organisme de droit privé, géré par une convention collective, réglementé par les prud'hommes, mais qui exerce une mission de service public. Donc, les employés de sécurité sociale ont une obligation de respecter la neutralité, en tout cas dans leur rapport avec le public. Mais le projet de loi dit. Toutes les collectivités territoriales qui vont passer des commandes publiques avec des entreprises privées imposeront la neutralité aux salariés des entreprises privées. Vous prenez un exemple une entreprise privée, Sodexo, pour ne pas la nommer, ou une autre, qui font des, de la restauration. Ils font la restauration dans leur cuisine, à eux. Il n'y a strictement aucune raison d'appliquer le principe de neutralité. Dans, dans, dans le cadre de cette entreprise privée, puisqu'il n'y a pas de contact avec le public. Alors, bien sûr, si après ils servent au public, s'il y a du personnel dé, détaché qui sert au public et, euh, comment dirais-je, euh, qui a une relation avec les élèves, avec les fonctionnaires, avec la, là, qui, que ce, ce, ces personnes-là respectent le principe de neutralité, nous sommes tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas la notion de commande publique qui génère le principe de neutralité, c'est le fait, c'est du rapport avec le public. Dans le cadre, euh, comment dirais-je, euh, d'un service public. Or, il y a une disposition du code du travail qui dit qu'on ne peut pas euh, émettre une interdiction généralisée à tout le personnel. Euh, et, et, et si on émet une interdiction, il faut qu'elle soit proportionnée au but recherché. Et quand nous avons été reçus place Beauvau, la Libre Pensée, nous avons demandé allez-vous modifier le code du travail et le gouvernement nous a répondu on ne modifiera pas le code du travail. Or là, ils vont, ils vont avoir un problème. C'est comme sur la liberté de la presse. Ils disent qu'ils ne vont pas modifier la loi sur la presse. On ne sait pas que, comment ils vont faire. Donc les syndicats vont être contre. Les syndicats sont contre déjà et, 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 et ils vont le faire savoir. Les associations de défense des, des libertés démocratiques, la LDH, le MRAP, SOS, Racisme et bien d'autres, sont contre cette loi. Ça, on le voit tous, tous les samedis. Euh, les associations aussi, en général, il y a un million d'associations, je vous l'ai dit tout à l'heure, vont être euh, vent debout. Contre cette loi, puisqu'il a été indiqué très clairement que toutes les associations qui émettent des reçus fiscaux, c'est-à-dire que quelqu'un cotise à l'association, l'association, la, la, euh, comment dirais-je, fait un certificat, un rescrit fiscal pour dire voilà, vous pouvez déduire 66% du montant de votre cotisation de votre revenu sur l'impôt. Le gouvernement a décidé, d'ailleurs, ça nous a été confirmé par la place Bolvo, toutes les associations seront, euh, comment dirais-je, euh, se, se, se seront contrôlés. L'Église catholique est contre, puisqu'elle sent bien le danger. Les protestants sont contre, et les musulmans sont contre, pour, pour, pour la plupart. Là, il vient d'avoir des réactions aujourd'hui qui sont extrêmement problématiques. Les, musulmans sont, les, les associations musulmanes sont extrêmement coincées, euh, parce que si elles disent ce qu'elles pensent réellement du projet de loi, le gouvernement va leur tomber dessus. Et si elles disent qu'elles soutiennent ce projet de loi, c'est les fidèles qui vont leur tomber dessus. Il paraît même, d'ailleurs j'ai vu ça dans Mediapart aujourd'hui, qu'il y a une charte des imams qui a été concoctée par le gouvernement et imposée aux associations musulmanes. C'est tellement scandaleux et honteux qu'ils ne veulent pas la rendre publique de peur des réactions des fidèles. Donc d'un certain point de vue, vous avez même vu qu'il y a le Haut Conseil à la vie associative qui a fait un, un, un avis de 7 pages pour descendre en flamme le projet de loi séparatiste, en disant soit il y a des choses qui sont intéressantes, c'est déjà dans la loi, donc ça ne sert à rien, soit il y a des choses qui sont tout à fait problématiques, il ne faut pas les mettre parce que c'est attentatoire à la liberté d'association. Donc cette, cette, ce projet de loi a contre lui tout le monde, quasiment dans ce pays, et nous souhaitons bien du bonheur à ce gouvernement. Je voudrais terminer, parce que je m'aperçois que le temps passe, sur, sur la question des crèches. Dans les mairies, puisque vous avez un, vous avez un, 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 un cas d'école. Euh, si on applique les principes que je vous ai définis tout à l'heure dans les bâtiments de la République, que ce soit les hôtels de ville, des départements, euh, des régions, euh, ça gère l'intérêt général, ça, sert, ça gère la communauté euh, collective des citoyens. Donc, il ne doit pas y avoir de présence de religion, c'est la neutralité. Donc, mettre une crèche dans un hôtel de ville, c'est attentatoire à ce principe de laïcité. Puisque c'est connoté le bâtiment avec le, la caractéristique d'une religion particulière. Une crèche est toujours, enfin une crèche de la nativité, si tant est qu'il puisse y en avoir d'autres, une crèche de la nativité est toujours une crèche catholique. Les autres religions ne font pas de crèche, bien évidemment, et même les autres religions chrétiennes comme les protestants, les orthodoxes et tout ça ne font pas de crèche. Donc une crèche, c'est catholique. Pourquoi doit-on mettre des crèches catholiques dans les bâtiments de la République Si ce n'est pour connoter ce, ce bâtiment de, 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 de la République, pour dire ici, on est en France, et la France, c'est catholique, qu'on le veuille. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à partir. Si vous voulez, c'est un peu, donc c'est est un message qui est subliminal et symbolique, qui est adressé aux migrants, à tous ceux qui ne sont pas catholiques, aux athées, aux libres penseurs, aux, aux gens des autres religions. Ici, vous n'êtes pas chez vous ici sont chez eux euh, les catholiques c'est la même chose par exemple sur les, les vierges les statuts de vierge euh, Marie euh, mis sur la place publique elles ont toute une particularité outre le fait qu'elles violent la loi 1905 puisque c'est interdit, elles sont toutes tournées vers le sud hey, qui c'est qui vient du sud sinon les migrants bon, donc le message est très fort, restez chez vous, venez pas chez nous bon, donc ça c'est ça, 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 et on peut s'interroger sur le fait pourquoi les élus veulent mettre, pourquoi des élus veulent mettre euh, des, des crèches dans les bâtiments de, euh, des bâtiments de la mairie et des, et des bâtiments de la République. Ce n'est pas l'Église qu'ils demandent. L'Église est tout à fait opposée euh, à ça. Allez, allez, ennuyée. Alors, bien évidemment, s'il si y a des crèches qui leur font de la pub, ils ne vont pas dire non, mais, mais ils comprennent bien que ça pose un, un certain nombre de questions. Ça ne va pas arranger leurs affaires. Bon. Euh, donc, l'Église ne demande pas ça. Ce sont des élus et on assiste aujourd'hui à une sorte de cléricalisme inversé qui consiste à ce que ce ne soit pas la religion qui s'occupe du politique, mais que ce soit le politique qui instrumentalise la religion. Mais euh, c'est comme la mayonnaise, vous pouvez la faire dans tous les sens, c'est les, les mêmes ingrédients, ça pose quand même euh, un, un certain nombre de problèmes. Alors on nous dit Noël, euh, c'est Noël, vous voulez pas les crèches, vous êtes méchants, c'est Noël, les cadeaux, les enfants. Euh, Noël, euh, d'abord au point de départ, c'est païen. Euh, c'est pas du tout chrétien puisque la date de la pseudo existence naissance de Jésus elle a varié dans le temps. À l'époque, c'était en mars. Bon, euh, mais Noël, c'est pas Le sapin, les boules, les guirlandes, tout ça, c'est pas Ça n'a rien à voir avec la religion catholique. Hein. Euh, c'est la reprise, notamment, mais pas pas exclusive, des saturnales romaines. Donc, ça a une dimension païenne, comment dirais-je, extrêmement euh, importante. C'est d'ailleurs tellement pas chrétien Noël. En 1951, l'archevêque de Lyon, on avait ras-le-bol du Père Noël qui avait pris la couleur de Coca-Cola, donc lui il lui considérait que c'était les Américains qui envahissaient. Bon, euh, l'archevêque de Dijon, en 1951, a brûlé le Père Noël et le sapin sur la place publique devant la cathédrale de Dijon. Bon, donc C'est pour dire qu'après, quand ils utilisent les enfants, les enfants pour dire eh « ben, euh, vous n'êtes pas gentils il, », ils il se, il se moquent du monde. Donc De ce point de vue-là, euh, la crèche, Catholique dans un bâtiment de la République, c'est un message. La France est catholique. Les immigrés n'ont pas leur place. Or, la France, comment dirais-je, elle a peut-être entre guillemets des racines catholiques, et encore, elle a surtout des, des origines, des racines celtes, euh, gréco, gréco latines euh, et euh, y compris des racines qui ont été, qui sont venues plus tard, celles de l'immigration. Euh, de, 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 par le développement du, du pays. Donc, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que les racines de la France sont multiples. Et puis, le problème des racines nous fatigue euh, fondamentalement, parce qu'il faut avoir les racines, c'est dans la terre. Quand vous avez des racines, vous ne vous déplacez pas. Vous restez sur place. Donc c'est quand même sympa euh, au niveau des libertés démocratiques, au niveau de la liberté de déplacement, euh, comment dirais-je, de, de, de dire, ben, vous avez des racines, alors vous restez sur place. Alors bien évidemment, les migrants, ils ont d'autres racines, puisqu'ils sont dans d'autres pays, donc ils doivent rester chez eux, ils ne doivent surtout pas venir euh, à nous. Et puis les arbres, euh, on mesure la qualité d'un arbre, non pas à ses racines, mais à ses fruits. Donc, euh, si on veut prendre la symbolique des, des racines, euh, on peut, comment dirais-je, euh, aller très loin. Euh, le problème, c'est que si on dit la France est catholique et que les, les, tous ceux qui ne sont pas catholiques et d'origine euh, française n'ont pas leur place, c'est la guerre civile que vous implantez en France. Tout le monde va se battre pour des questions, des opinions religieuses, pour des, des appréciations différentes. On connaît l'histoire hein, sur les Polacs, les Ritales et tout ça. Bon, maintenant, c'est les, les Algériens, les, les Arabes, les musulmans, mais euh, on voit bien que c'est tout à fait contraire à, 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 à la symbolique universaliste de la Révolution française. Et on voit que c'est tellement contraire, cette idée, à la fois des crèches et, et, et des chartes de la laïcité, c'est que. À Orléans, la semaine dernière, a été votée une charte de la laïcité. On allait voir ce qu'on allait voir. Les associations seront obligées de promouvoir la laïcité. Oui, mais il est prévu dans cette charte que les élus qui participent qualité avec leur écharpe pourront participer aux, aux, aux cérémonies religieuses pour Jeanne d'Arc. Bon, euh, si c'est pour, si c'est pas pour dire ça que la laïcité ça s'applique aux musulmans et ça s'applique pas aux, aux catholiques. Tout le monde y va y perdre son, son, son latin. C'est la même chose que Monsieur de la Fausse, maire de Montpellier. La laïcité va s'imposer à tout le monde. Tout le monde va promouvoir la laïcité, mais euh, euh, le même maire, euh, le même conseil municipal, la même mairie vote les subventions aux activités cultuelles au, au, au nom de Saint-Roch. Donc, de ce point de vue-là, ça montre parfaitement l'hypocrisie et le caractère xénophobe, euh, comment dirais-je de de, de ces décisions. Donc, pour terminer, euh, je crois que nous allons demander à nos fédérations départementales, à nos, fédérations, à nos groupes locaux, partout où il va y avoir des chartes de la laïcité, d'autant que euh, le projet de loi, dit, s'il est adopté, dit exactement le contraire, partout, il faudra déférer ces décisions, euh, comment dirais-je, euh, au tribunal administratif. Alors, M. Delafosse se croit malin parce qu'il a fait un coup d'État, il n'a même pas demandé l'avis au, au, au conseil municipal pour faire cette charte de la laïcité. C'est des vrais démocrates, ces gens-là. Hein. Ils ne demandent pas l'avis aux associations, ils ne demandent pas l'avis aux conseillers municipaux, il est tout seul, il décide. Et tout ça au nom de la démocratie et, 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 et de la laïcité. Et pareil sur la question des crèches, partout il y aura des crèches, je sais que vous l'étudiez attentivement à Béziers sur cette question, partout il y aura des crèches, il y aura euh, des recours qui seront frais euh, euh, au tribunal. Le conseil d'État nous a donné raison. Hein, nous avons été jusqu'à la plus haute juridiction administrative de la République. Donc, il s'agit maintenant d'amplifier cette mobilisation contre la présence des crèches, notamment, notamment à Béziers. Il faut, je sais que vous êtes en plein dedans et que vous avez commencé à obtenir des résultats extrêmement positifs. Il faut élargir cette, cette mobilisation. Mais d'ores et déjà, il faut poser une question. À l'heure où M. Macron dépose un projet de loi. Sur le séparatisme pour renforcer soi-disant les principes républicains, est-ce qu'il va donner l'ordre à son préfet ou à son sous-préfet d'empêcher là, -je, la, la, la réalisation, enfin, la présence et le maintien de cette crèche euh, dans, dans la mairie de Béziers Parce que c'est une chose de faire du cinéma. Et de nous jouer de la mandoline sur la laïcité, c'est une autre chose que de la faire appliquer et de la faire respecter. Et la première application de la laïcité, ça serait d'interdire réellement, par les préfets qui ont l'autorité de contrôle et qui ont le pouvoir pour le faire, d'interdire la présence de la crèche chrétienne à Béziers. Il y en a, il y en a aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des amis du Gard, il y en a aussi à Bourgard. C'est totalement contraire à la laïcité. C'est-à-dire qu'on nous parle de laïcité et on fait, comment dirais-je, le contraire. Si Macron n'intervient pas, sur la question de la crèche, il faut poser ce problème publiquement, ça veut dire que son projet de loi est profondément hypocrite et qu'il n'a qu'un objet, c'est réprimer les musulmans. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu long. Voilà ce que je voulais vous dire pour engager la discussion. Alban, tu vas. Oh mais, hey Merci Christian. Merci. Ah bon. Non, non, c'est bon. Euh... C'est bien passé c'est très bien. Et, euh, par contre, oh, ton ord... sont alors ton ordinateur euh, fait des petites, euh, des petits bruits de temps en temps, mais bon, c'était euh, acceptable. Hein, euh, on a eu une <laughs> dizaine de, de petits bruits euh, de sonorités. Tu dirais euh... pas. Voilà. Euh, bah, écoutez, euh, le mieux c'est que euh, les copains qui veulent prendre la parole euh, utilisent la fonction euh, lever la main, et puis que euh, je donne la parole au fur et à mesure. Hein, vous avez. un un petit onglet en bas pour demander la parole Donc, il suffit de le demander les autres couper le micro et les caméras parce que si on ne s'en sort pas mais ceux qui veulent parler bah, ils lèvent la main s'il euh, voilà. n'y a pas de questions particulières euh, euh, on peut s'arrêter là ça fait une heure euh, une heure et demie mais euh, voilà s'il y a des, des, des gens qui une, demi, euh, une heure pardon hein. on a commencé à les 30 Soit je les ai convaincus, soit je les ai épuisés. <laughs> oui, euh, moi, je ne trouve pas l'anglais pour… De... Ben vas-y, vas-y, vas-y. <laughs> Raymond Kubels, pour, euh, je, 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 suis, je suis invité, je ne suis pas à la libre-pensée. Je, 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 je suis président de, de l'association… Euh, du mouvement de la paix de Béziers. Et donc, euh, souvent, avec Christophe, on fait des choses ensemble. Et puis, donc, on est dans cette même aventure de, contre cette crèche de, abominable de Béziers. Bon, merci pour la conférence. C'est intéressant. C'est vrai y a, euh, on, a, on parle beaucoup de laïcité. Et puis, bon, des fois, c'est pas... On a, on n'en parle pas sans avoir toutes les connaissances et toutes les, et, 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 qui, qui sont liées à, à cette notion de laïcité. Donc, bon, ben à Béziers, bon, euh, euh, on a ce maire-là qui, qui est quand même un ancien de, 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 de Reporters sans frontières qui avait cette, euh, cette auréole-là de. De, de défendre les droits de l'homme à travers le monde <laughs> par, par la, euh, la presse bon, il a été mis à, à la porte par porte sans frontières mais euh, il, il n'empêche que bon il, à, à l'occasion il se sert de cette, de cette euh, auréole là, de... et donc voilà alors ensuite bon moi j'étais absolument catastrophé hier parce que je suis allé, dans une ville voisine de Béziers, qui est la ville, une petite ville de 7000 habitants, qui est Bédarieux. Euh, et jamais, jamais, jamais il n'y a eu de, de crèche dans cette ville, qui a une grande histoire, très, très longue histoire républicaine, euh, avec une forte présence euh, protestante. Et donc. Euh, il euh, y a une crèche dans la, dans, dans, euh, la maison des arts de, de, de Bédarieux, qui est euh, euh, un établissement euh, culturel de, de, de municipal. Euh, donc, euh, pour la première fois, donc, on voit arriver cette crèche à, à, à Bédarieux, et, et donc, euh, il va falloir. Enfin, moi, je, je vais faire ce que je peux pour. Euh, pour, que, pour éclairer cette, cette, cette affaire de crèche à Bédarieux. Le, le, le maire ayant changé avec les nouveaux le nouveau conseils municipaux, donc le, le conseil municipal nouveau s'est <coughs> laissé embarquer dans cette, cette aventure. Voilà, donc, euh, bon, mais, euh, que dire, bon, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus sur, sur le maire de Béziers qui est. Si, quand même, je, je, je vais rajouter ça c'est qu'on a parlé de Jeanne d'Arc, donc euh, il a mis une statue de Jeanne d'Arc sur les anciens remparts de la ville, qui est très visible de très loin, sur la, de la, de la, depuis la route de Narbonne. Et, euh, et il se trouve que j'ai, euh, du côté de ma femme, de, 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 de ma belle famille, euh, il y a une, une histoire c'est que euh, le. le le, le, le beau-père de, de ma belle-sœur était euh, euh, percepteur dans le gare euh, pendant la guerre. Et euh, il, avait, comme il, il avait refusé de mettre le, le drapeau bleu-blanc-rouge le jour de la fête de, de jean d'Arc, puisque Pétain avait supprimé le, le 14 juillet et que jean d'Arc était la, la fête du national. Euh, euh, sous le régime de Pétain. Et donc cet homme qui avait fait euh, ce refus s'est trouvé muté euh, sans, par sanction disciplinaire et du coup il a été muté dans la zone occupée par, par l'Allemagne à l'époque. Donc j'ai resté de mémoire dans la famille et quand je suis passé à côté de la statue de, de Jean d'Arc de Béziers, je l'ai montré à ma belle sœur et le message a été clair. C'est bien un clin d'œil de, de Ménard. À, au nostalgique de pétisme en année. C'est absolument euh, quoi. Voilà. Merci. Il euh, bon, y a, voilà a d'autres personnes qui veulent dire. parler. Vous... Vas-y, si, vas un permis de me Merci de la conférence. Et voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Claude. Et après on laissera la parole à Christian. Euh, Claude, c'est maintenant. Tu as levé la main ou alors c'est une erreur de ta part ah, si tu parles et que tu n'as pas omis ton micro, euh, c'est comme si tu ne parlais pas. <laughs> bon, ben bah, Christian, à toi. Ah, euh, vas-y, oui, vas-y, hein, parce que manifestement Claude ne. Ah, si il a bah, trouvé je pas, le bouton. Moi, j ai, j ai, ah, Claude vient à... de trouver le bouton pour la caméra. Ouais. Maintenant, il faut que tu trouves le bouton pour la pour la le micro Claude. C'est à côté normalement. C'est à côté. Euh, mais on ne, ne t'entend pas, Claude. À côté, tu as le bouton micro. Bon, bon. bah écoute, euh, Christian, c'est Moi, je n'ai rien hein. à dire de plus, je vais parler une heure. Hein. S'il n'y a pas d'autres questions. Euh... Bah, écoute, euh, si, si euh, Claude, mais. Alors, Claude, si tu veux, tu tapes un message. Hein. Si jamais euh, tu n'arrives pas à trouver le bouton euh, micro, sinon tu peux taper un message en bas. Il euh, y a d'autres euh, camarades qui veulent intervenir euh, Alors moi je peux donner quand même une info importante. Euh, on a sorti un communiqué euh, contre euh, l'organisation de conférences sur le terrain de la laïcité par les élus du Conseil départemental et de la mairie de Montpellier. On l'a sorti aujourd'hui, donc euh, si vous ne l'avez pas, vous le demandez, et si vous l'avez, je vous invite à le faire connaître très largement, parce que en fait, euh, ce n'est pas une conférence, mais c'est plusieurs. Euh, il est manifeste que euh, des réseaux euh, politico syndicaux sont à l'œuvre pour essayer d'inviter, parce qu'évidemment, ce n'est pas le maire qui s'invite dans l'établissement, c'est à la demande de certains professeurs. Et... Euh, dans un lycée important, c'est une militante de la CFDT qui a poussé pour qu'on invite le maire sur les questions de laïcité. Euh, ne croyant pas au hasard, je pense que le collège dans lequel est intervenu le maire, plus ce lycée, c'est quelque chose de coordonné, de volontaire, pour essayer d'abord de, de médiatiser la bonne parole, la sainte parole laïque. Et euh, l'argument qui a fait mouche chez certains, c'était de dire si on le permet pour un, on le permet pour tous. Donc demain, Ménard va faire la tournée des écoles pour expliquer sa, sa vision de la laïcité. Parce que Ménard a un point de vue sur la laïcité c'est la laïcité ouverte. Puisque pour lui, en fait, toutes les religions sont bienvenues dans le cadre des bâtiments de la République, puisqu'il vient de fêter, euh, je crois, euh, Hanouka euh, ou, de, ou une fête juive. Euh, il invite régulièrement euh, les imams pour. Euh, pour des, des conférences de presse. Euh, bon, voilà. Donc, euh, c'est ce qu'on connaissait au, euh, il y a longtemps avec la CLDT. Ce n'est plus aucune, aucune église euh, dans l'école, c'est toutes les églises bienvenues dans l'école à égalité. Voilà. Euh, donc ça, euh, bah, Ménard pourrait très bien venir dans des... Il, il doit bien se trouver un prof qui pourrait l'inviter et, et il pourrait tout à fait intervenir euh, sous cet angle-là. Deuxième chose, euh, je vous informe qu'il y a une manifestation euh, contre la loi... Euh, euh, sécurité globale et par ricochet euh, contre l'article. Euh, avant, c'était l'article 25, mais je crois que ça a changé depuis, euh, qui réécrit l'article 24 de la sécurité globale dans le cadre de la loi euh, dite séparatisme, qui s'appelle. L'article en... 18. Voilà, maintenant c'est 18. Voilà, maintenant c'est 18. Euh, eh bien, euh, il y aura une manifestation samedi matin à 11h, euh, rendez-vous devant la mairie. Donc, j'invite tous les copains qui sont dans le département de l'Hérault euh, à faire connaître largement cette manifestation. Il va pleuvoir, ça va être dur, euh, on n'a pas l'appui des grandes semondes, de euh, puisque euh, le collectif qui était chargé d'organiser les manifestations bah, passe plus son temps à les dénoncer qu'à les organiser. Donc, euh, ça devient compliqué. Et donc, euh, bah, euh, moi, j'y serai et je vous invite euh, à faire de même. Euh, voilà, donc, euh, on lâchera pas. Euh, c'est pas parce que c'est Noël que. Euh, y aura de trêve. Le gouvernement, lui, ne fait pas de trêve, donc il n'y a aucune raison pour qu'on en fasse nous aussi. Euh, voilà, je laisse la parole à Louis. Si Louis parvient à, 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 à enclencher son, son micro, la parole est à toi. Oui, bonjour, on m'entend Oui. Alors, attends, je m'allume un peu la lumière là. C'était juste pour insister sur ce que tu viens de dire, euh, euh, c'est-à-dire cette espèce de récupération de politique. De, promu notamment non pas seulement par Ménard, mais pas toute la bande de l'extrême droite qui euh, dénature complètement tout ce que vient de nous dire Tristan sur, euh, sur les critères de la, la laïcité et la fonction de la laïcité autrement dit j'ai jamais entendu autant parler de la laïcité euh, que de la part de ces gens hein, euh, le RN entre parenthèses quand il s'agit de faire de la xénophobie contre contre les musulmans actuellement bien sûr mais peut-être aussi demain contre contre les juifs et d'autres religions donc j'aurais aimé que christian euh, nous développe un petit peu cet aspect euh, à savoir comment se fait-il que ces gens là se servent à ce point là et par quel biais se prétendent--ils laïcs, euh, alors qu'ils sont tout le contraire tout le contraire voilà c'était ma question Fon. Bah, euh, on, vit, on vit un paradoxe, comme je, comme je dis souvent, euh, et, et ça montre bien, ta question, qu'on est dans un paradoxe. Euh, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, euh, le rédacteur en chef du Canard Enchaîné, je cite toujours ça parce que c'était clairement euh, Robert Traîneau disait, euh, donc en 45-46, il disait, On est de gauche, on est avec les ouvriers et on est avec les laïcs, on est de droite, on est avec les patrons et on est avec les curés. Alors les choses ont énormément changé, enfin, surtout à gauche, mmh. hein, parce que à droite <laughs> c'est resté sur le, le, le truc. Euh, et il euh, y avait à l'époque, pendant tout, au cours de, du siècle passé, des gens qui étaient royalistes affirmés, antidémocrates, anti laïcs cléricaux et tout ça. Aujourd'hui c'est merveilleux, tout le monde quasiment est pour la République, tout le monde est quasiment pour la laïcité. Tout le monde est quasiment pour la démocratie. D'ailleurs, euh, euh, quand Marine Le Pen parle de la laïcité, elle a des accents. Euh, bien évidemment, quand on quand on regarde un peu le détail des choses, Mélenchon est pour la laïcité et Marine Le Pen est pour la laïcité. Enfin, c'est c'est pas la même. Hein. Euh, ils ne parlent pas de la même chose euh, parce que Le Pen, c'est euh, père et fille et, et petite fille, c'est euh, uniquement contre les musulmans. Parce que ce sont des... Tu as eu raison de dire... Euh, les, les, quand je dis des élus sont pour la présence des crèches dans les bâtiments de la République, c'est l'extrême droite. C'est oui. euh, Ménard, c'est Devilliers, c'est Rotaillot, c'est euh, euh, Sanchez d'Angare, c'est l'autre Ranvier à Marseille. C donc c'est des gens qui ont, qui ont une volonté, c'est d'apparaître plus catholique que le pape. Pour capter ouais. l'électorat catholique. En fait, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec je dis, des convictions propres. Je, 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 je. Dans un certain point de vue, Mme Boutin est plus honnête dans sa démarche que, que, que la famille Le Pen et l'extrême droite. Eux, ils n'en ont rien à secouer. Euh, euh, Excusez-moi l'expression, mais par exemple, euh, de tout temps au, au Front National, donc maintenant au Rassemblement National, il y a eu ce qu'on a appelé les païens. Hein, euh, ma bière et tout ça, des gens qui n'étaient pas du tout... Euh... Ah, il euh, euh, il bon. faudrait que les gens arrêtent de... de les... C'est Claude qui a trouvé le bouton du micro. Ça ah, y non. est, oui, j'ai trouvé. Ouais, voilà. ah. bah, on, va te, on va te le couper et tu le remettras après. Vas-y, Christian. Oui, donc, euh, euh, comme on, on est sous un vice dans, dans la 5 République, c'est que... Ce qui conditionne euh, la conquête du pouvoir, c'est l'obtention de la présidence de la République et que pour avoir la présidence de la République, il faut avoir la moitié des voix, enfin des votants en plus, un, il faut donc, comment dirais-je, draguer le, les catholiques et draguer ces, ces, ce type d'électorat, mais surtout essentiellement catholique. Bien. Euh, je ne suis pas certain qu'il y ait d'ailleurs les, les, les documents statistiques et sociologiques ne sont pas probants sur ce en la matière, qu'il y ait un électorat catholique. Mais ces gens-là, ils veulent être plus catholiques que le pape pour dire c'est nous les catholiques, donc votez pour nous. Et c'est pour ça qu'ils instrumentalisent, comment dirais-je, la, la, la question de la religion, qu'ils inversent le cléricalisme. C'est pas la religion qui inverse, qui, qui instrumentalise le politique là, c'est le politique parce que c'est une volonté en fait de, de clientèle électorale. Et puis en plus, ça a un énorme avantage de, pour eux, c'est de de donner une connotation xénophobe et raciste à la laïcité. Hein euh, euh, par exemple, euh, Marine Le Pen s'est distinguée par son ignorance religieuse euh, euh, grave quand elle a expliqué, mais c'est Jésus qui a inventé la laïcité, rendez à Dieu ce qui était à Dieu et à César ce qui est à César. Bon, euh, quand, euh, entre guillemets, Jésus dit ça, ce qu'il ne l'a jamais dit, parce qu'il n'a jamais existé, c'est simplement dans un évangile sur quatre alors qu'il y en a 70, et, et c'est par rapport euh, au paiement de, de, de l'impôt qui dit ça. Et, et c'est pas du tout l'idée de dire, il y a un domaine qui est réservé au, à la religion et un domaine qui est réservé, comment euh, dirais-je, à, à, à la vie de la cité. Mais ils, ils inventent des choses, mais ça permet quand même de véhiculer un message, qui est le message de, euh, de, de Ménard, hein, euh, qui est le, le réactionnaire sans frontières, ça faut lui reconnaître, Hein euh, c'est de dire euh, dehors les autres quoi. Euh, on est chez nous la France. C'est pour ça qu'ils l'instrumentalisent euh, euh, et, et, et qu il faut... ils, ils en croient pas un mot. Hein. Ils en croient pas un mot. Et en plus, c'est assez contreproductif parce que par exemple, ça amène l'Église à se démarquer de ce discours-là. Ils croient faire un cadeau à, à l'Église et aux catholiques, mais l'Église elle n'en veut pas de ce cadeau. C'est non merci, je ne fume pas parce que franchement, euh, être soutenu par le Rassemblement National, faut avoir faim quoi. Voilà un peu ce que je voulais te, te, te répondre. Très bien. Euh, nous avons Gavé qui a demandé la parole et ensuite ça sera Claude qui a trouvé le bouton. Gavé, c'est à toi. Voilà. Bonjour Christian. Jacqueline Bonjour. Gavé. Jacqueline Gavé, nous sommes maintenant à la Fédération de la Creuse après avoir été dans la Fédération de l'Aude. Christian, oui. je voudrais, que, tu, si c'est possible m'éclairer un tout petit peu, c'est par rapport au concordat d'Alsace-Moselle. Parce que nous, nous, nous habitions Paris, nous avons été vivre à, à Metz, et là, nous avons vécu hors de France. Et là, je me posais la question l'autre fois, la République française, il y a avec le, le concordat d'Alsace-Moselle quelque chose qui, qui ne va pas parce que... Dès que tu vis à Metz, tu vis sous les lois du Concordat, tu as une sécurité sociale différente, tes enfants euh, peuvent, et tu les dois les faire sortir du catéchisme, euh, parce que sinon, c'est fait dans les écoles notamment. Donc, oui. par rapport à la République laïque, où, où, où nous en sommes dans le Concordat par rapport à l'unité de la France républicaine et de la loi de 1905, parce que là, j'ai lu que... Bon, je sais depuis longtemps que les prêtres sont payés, les, les, les imams, les, les rabbins sont payés, mais sont payés par quel argent L'argent de la République Ah bah oui. Euh, bah, si, si tu voilà. Je veux... bah, voudrais voilà. un peu plus d'explications profondes toujours... week par rapport à ce concordat. Alors, euh, d'abord, ce n'est pas un concordat. En, en Alsace-Moselle, c'est ce qu'on appelle le statut clérical d'exception d'Alsace-Moselle, qui est composé de trois sources. C'est vrai, le concordat de 1801, la surveillance du concordat de 1801. Deuxièmement, l'intégralité de la loi Fallou de 1850. Euh, la loi Falou c'est la loi contre laquelle euh, Victor Hugo a fait le plus grand discours politique de tous les temps, le, le, le plus beau donc qui, euh, la loi Falou euh, euh, Victor Hugo l'avait résumé dans son discours en disant c'est mettre un gendarme partout où il n'y a pas un jésuite hein. donc en Alsace-Moselle ils ont le gendarme et le jésuite euh, partout euh, nous on n'a que le gendarme hein, donc, bon, mais eux ils sont plus riches euh, et puis c'est toutes les lois qui date de l'annexion allemande euh, comment euh, en matière de relations avec les, les religions. Donc il y a trois sources, le Concordat de 1801, la loi Fallou et les lois allemandes qui traitent des questions religieuses. C'est cette partie de loi qui fait que, par exemple, jusqu'à présent, il n'y a encore pas très longtemps, euh, l'article 167 du Code pénal allemand s'appliquait euh, en Alsace-Moselle et qu'il était interdit euh, il y avait ce qu'on appelait, ce qu appelait le, le délit de blasphème. Il était interdit de blasphémer euh, euh, sous peine de répression pénale. Il y a eu un exemple célèbre, c'est que euh, l'archevêque de Strasbourg a fait une déclaration publique en dénonçant les homosexuels, donc le mouvement LGBT, euh, en disant que s'ils avaient le sida, c'était bien fait pour eux, euh, comment dirais-je, parce que c'était une punition de Dieu. Euh, ça n'a pas plu euh, au mouvement LGBT, ce qu'on qu peut parfaitement comprendre, et ils ont été dans, euh, dans une messe dans la cathédrale, où il y avait l'archevêque, et ils lui ont rappelé publiquement qu'ils euh, tenaient un discours euh, euh, public contre les homosexuels, mais qu'en privé il avait une attitude tout à fait différente et contraire. Donc vous imaginez euh, euh, l'ambiance que, 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 que ça met. Quoi. Et, et le, le parquet de Strasbourg, à l'époque, c'était il y a un peu plus de 20 ans, a poursuivi les militants, c'était les militants d'Actop, a poursuivi les militants d'Actop et les a fait condamner euh, au nom de l'article 167 du code pénal allemand. Alors, ça a quand même fait un peu de, de, de spoons, bon. ce qui fait que euh, ils ont, c'était la dernière fois qu'ils ont utilisé cet article et c'est tombé en désuétude. Et là, récemment, euh, comme ça ça, ça, ça fait quand même un peu mauvais genre de dire d'abord que c'est une loi allemande qui s'applique en, en, en Alsace-Moselle -de deuxièmement, une loi qui réprime le délit de la blasphème, quand tous les gouvernements vous disent vive Charlie, vive les caricatures, vive tout ça. Etc. Donc, ils ont abrogé. Euh, cet article du code de, de cet article qui s'applique en, en, en Alsace Moselle ils ont été obligés de modifier un certain nombre de choses notamment le fait que avant pour ne pas euh, faire ce que tu dis aller mettre ses enfants euh, dit, enfin, mettre ses enfants au cours religieux c'était obligatoire maintenant il faut le il faut le demander donc euh, la dis, donc euh, la dispense c'est pour le faire alors qu'avant la dispense c'était pour ne pas le faire bon. euh, donc petit à petit c'est un effet bénéfique d'un certain point de vue de la mondialisation, c'est qu'à partir du moment où les gens se déplacent et se côtoient et, et, et tout ça, bon bah, euh, pourquoi c'est comme ça dans un endroit, pourquoi c'est comme ça dans un autre différent, ça pose un, un, un certain nombre de problèmes, à tel point que là, comme je vous l'ai dit, sur le, le projet de séparation, ils envisagent sur un certain nombre de dispositions, on ne sait pas lesquelles, et on verra bien s'ils le font, d'harmoniser de, de, l'Alsace-Moselle à, à ce qui reste en France. Sauf que le problème, c'est que euh, euh, les quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle, qui sont le culte catholique, les luthériens, les calvinistes et les juifs, hein, les israélites, euh, mm -hmm. sont payés sur les fonds publics. Et ils sont oui. bien payés. Et quand ils ont des réflexes de syndicalistes primaires, comme ils ont des avantages acquis, ils veulent défendre leurs avantages acquis. Donc ils ne veulent pas du tout. Et longtemps, ils ont, euh, comment dirais-je, dit, il faut étendre ce qui se passe en Alsace-Moselle à l'intérieur de la France, puisque nous, on est l'intérieur de la, la France de l'intérieur. Euh, si vous voulez, c'est contradictoire, c'est ce que je dis, c'est un paradoxe. Euh, comme plus personne n'ose se réclamer du cléricalisme et de l'antinaïcité, c'est dur de dire que l'Alsace-Moselle, c'est le modèle. Pourtant, c'est le modèle. Euh, parce que, par exemple, et, et le, le grand danger ne vient pas de l'Alsace-Moselle en tant que tel, le grand danger vient de l'Europe, puisque en Europe, avec l'article 17c du traité de Lisbonne, eh bien, il est dit que euh, toutes les relations entre les États et les religions, alors en France, majoritairement, c'est la séparation des Églises et de l'État, mais il y a l'Alsace-Moselle, mais il y a la Guyane, il y a, il y a Wallis et Futuna. Dans d'autres pays, c'est des concordats. Il y a 14 concordats dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'il y a 14 pays dans lesquels il y a des concordats. Il y a des pays qui sont, on va dire, plutôt d'Europe du Nord, euh, comme l'Angleterre, la Norvège, où c'est plutôt des, des pays de tradition protestante. Donc, mais là où les églises sont établies, c'est-à-dire que c'est des églises officielles. Il euh, euh, y a, 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 a l'Irlande où il y a, y a un concordat. Euh, il est dit dans l'article 17c du traité de Lisbonne, eh bien, on prend une photo de tout, de tout ce type de, de, de relations différentes. En Italie, il y a l'impôt d'église et il y a le concordat. En Espagne, il y a le concordat et il y a l'impôt d'église. Au Portugal, il y a le concordat et l'impôt d'église. Euh, en Allemagne, l'impôt d'église est, 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 est faramineux qui fait que l'épiscopat catholique allemand est le, est, est le plus riche du monde, euh, du fait de, 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 de cet impôt où les gens sont obligés de payer quasiment, et c'est très difficile de ne pas payer, euh, ils prennent une photo, c'est l'article 17C, et puis c'est intégré dans la Constitution européenne. C'est à Giscard, on, on parle beaucoup de Giscard en ce moment, c'est grâce à lui qu'on qu a ça, dont toutes les relations sont intégrées dans la Constitution européenne. Et si vous voulez modifier un type de relation, vous devez, euh, comment dirais-je, vous devez... Avoir l'accord des 27 membres, puisque ça veut dire pour modifier la constitution, il faut l'accord des 27 membres. Donc, quand le jour viendra où le, un gouvernement dira il faut abroger le concordat en Allemagne ou abroger le concordat en, en Alsace-Moselle, il faudra l'accord des 27 autres pays. Enfin, Ce n'est pas demain la veille. Hein. Et donc, le, 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 le problème, c'est effectivement l'Union européenne qui agit comme une protection des religions. Euh, bah, c'est forme à sa philosophie et mais en même temps en même temps euh, l'aspiration à la liberté l'aspiration à la démocratie l'aspiration à la liberté de conscience vous pouvez faire tous les règlements que vous voulez les gens ils veulent être égaux et ils votent veulent être libres bon or ils ne sont pas libres on a ce donc à terme c'est inévitable que ça pétera d'accord merci, merci. merci euh, la merci. parole est à claude oh ça fonctionne. Bon, <laughs> je remercie Christian d'avoir été aussi prolixe dans ses explications, c'est toujours très intéressant. Moi, je voulais apporter un témoignage pratique. Je pense qu'effectivement, il y a du pain il y a du grain à moudre et il y a, on a du pain sur la planche. Euh, moi, la laïcité, la défense de la cité, à mon sens, elle est faite de tout petit rien. Euh, parce que euh, euh, ils avancent, ils avancent. J'en veux pour preuve, j'ai un témoignage à apporter, c'est pour ça que je viens de la parole. Des élus, les élus qui doivent donc euh, défendre la laïcité, malheureusement, ils ne sont pas tous informés euh, de leur obligation. J'en veux pour preuve que euh, lors de la cérémonie dans mon village à Verrières, dans l'aube le 10. Euh, les élus donc, ont fait, comme dans beaucoup de villages, euh, la cérémonie du 11 novembre, et donc on aurait euh, des morts pour la France, entre guillemets. Et ça n'a pas empêché que le maire ou la mairesse d'ici, après avoir déposé une gerbe donc, au monument aux morts républicains, s'est déportée à quelques dizaines de mètres de là, est allée au cimetière de mon village et a déposé sur un calvaire catholique la même couronne de la République. Ça a apparu dans le journal, lorsque j'ai vu ça, j'ai fait des bons, naturellement, moi, citoyen du village, une, un maire nouvellement élu, se permettant de bafouer la loi de 1905. J nous avons demandé donc euh, à la rencontrer bah, avec un, une adresse, avec un mail, naturellement, par mail, parce que cette dame-là, on ne peut pas la voir comme ça, il faut lui l'écrire. À ce jour, on n'a toujours pas de réponse d'entrevue. Bon, on a fait un petit courrier sympa et gentil pour lui rappeler les devoirs des élus par rapport à ce, ce fait. Et on lui propose ben, de, de, de voir ensemble comment on pourrait maintenir euh, la défense de la loi 205. Donc voilà, c'est ce que je veux amener comme témoignage parce qu'ils euh, avancent. Moi, je pense que sans se rendre compte, euh, malheureusement, des élus de toute bonne foi peuvent faire des erreurs. Donc voilà, c'est ça que je voulais amener comme témoignage. Et je soutiens entièrement ce qui se passe à Montpellier parce que là, c'est la pire de touche qu'il faut vraiment que ce, ce maire soit condamné. Je vous remercie. Merci, Christian, euh, Christophe, pardon, Christophe, a demandé la parole. Christophe de Béziers. Oui. Euh, vous m'entendez Très bien, vas-y. Hey, c'est pas très bien rangé ton bureau. Hein. <laughs> Oui. Par exemple, sur Christian. On fait ce qu'on peut. Hein. Ben, je vais couper la vidéo. Euh, donc, euh, bonjour. Ben, moi, je voulais, euh, je voulais témoigner que, bon, certes, euh, bon, il y a des attaques euh, très graves, mais en même temps, si, si l'ALP euh, prend des initiatives, euh, il y a de plus en plus de répondants et c'est assez enthousiasmant. Donc, je salue Raymond euh, qui est intervenu. Euh, et avec qui on, on milite depuis longtemps à Béziers, euh, mais pendant longtemps on, est, on a été quand même assez seuls euh, ensemble. Euh, euh, et puis là, euh, depuis, euh, depuis deux ans, euh, il y a quand même un élargissement. L'année dernière, on, on avait été en délégation au sous-préfet. Bon, avec Raymond pour le Mouvement de la Paix, mais aussi Émi euh, Couquet qui était conseiller municipal PCF et le secrétaire de l'ULF. Et là, cette année, il euh, y, y a une unité comme euh, jamais il y a eu, euh, puisque euh, on a, par la discussion et, et à notre initiative, il euh, y a eu un appel qui a été signé à la fois par la LP, le Mouvement de la Paix, SOS Racisme et Attaque, mais aussi euh, l'ULCgt. L'UL solidaire, la FSU 34, euh, donc deux, le conseiller municipal communiste et, et une conseillère régionale socialiste, et puis euh, des organisations politiques, donc le PCF, le Parti Socialiste, ensemble, LFI, euh, le POI et, euh, j'en oublie un, euh, je crois, mais, ah, génération.s. Euh, et donc, euh, l'unité s'est faite sur euh, la crèche est illégale, il faut qu'elle dégage l'hôtel de ville, on en appelle au préfet. Et je pense que euh, cette unité, elle est assez solide parce qu'à la conférence de presse, hein, il y avait 8 ou 9 organisations, bon, d'autres euh, étaient, étaient prises. Alors moi, ce qui me frappe aussi, c'est que lors de la délégation, je trouve que depuis deux ans, euh, L'État, alors la discussion c'était, euh, parce que alors oui, hein, euh, historique, il y a eu les deux arrêts euh, faisant jurisprudence en 2016, euh, à l'initiative de l'ALP du Conseil d'État, et depuis Ménard est condamné systématiquement. Donc il y a eu un premier recours qui avait été déposé par euh, David Garcia et la LDH de 2014, euh, donc, euh, donc, où Ménard a perdu un appel à Marseille, et puis ensuite il y a eu un recours qu'on a fait, la LDH aussi l'avait fait euh, pour, sur la crèche de 2016, Ménard a perdu. Et puis en 2017-2018, euh, le préfet avait agi euh, pour trouver l'ordre public en le faisant condamner à en référé. Donc il faut savoir que Ménard met sa crèche sur roulette. La crèche est sur roulette. Hein, et euh, si le préfet agit, il sort la crèche sur la place publique devant la mairie euh, avec les roulettes. Voilà. C'est ce qu'il avait fait en 2017-2018. Et là, depuis 2019, ben, le gouvernement... Euh, il y a une inflexion, Moi, je pense que le lien avec le projet de loi est tout à fait clair, c'est-à-dire qu'en 2019, le préfet, ce n'est pas simplement qu'il n'y a pas d'élément de trouble à l'ordre public, parce que le référé, c'est jamais sur le fond, c'est sur, sur le trouble à l'ordre public et l'urgence, mais c'est aussi que quelque part, Ménard a raison sur le fond. Donc l'année dernière, le préfet s'était quand même fendu dans la presse d'une déclaration où il disait que la crèche n'avait pas de connotation religieuse. Bon, hein, franchement, euh, il fallait quand même le sortir. Et là, cette année, le, le sous-préfet nous dit, pour refuser d'agir, que euh, Ménard s'est rapproché de la jurisprudence. Alors Ménard, euh, c'est toujours le, le truc euh, artistique, et culturel, festif. Euh, voilà. Euh, sauf que les critères cumulatifs pour, euh, pour l'exception, c'est la crèche, elle n'est pas sur le marché de Noël, euh, euh, elle, elle est dans la mairie. Euh, elle est euh, de la nativité euh, et il n'y a pas de tradition à Béziers, euh, puisqu'il n'y avait pas de crèche avant son élection. Euh, mais il y a quand même un, un encouragement du gouvernement, ce que Ménard garde la crèche. Alors, le discours de Ménard, c'est euh, nous avons effectivement, il y a une culture, hein, toujours au niveau du culturel. Ju Alors, il, a, il associe les Juifs parce qu'il masque le côté catholique que, que, que Christian soulignait il le masque au nom du judéo christianisme hein. Et euh, les dirigeants de la communauté juive, bon, pour l'instant, marchent dans le truc. Je pense qu'ils ont été effrayés en 2014 par les manifs euh, pour défendre Gaza. Euh, et donc, euh, bon, je n'ai pas d'infos particulière, mais c'est quand même assez surprenant quand même qu'ils euh, euh, bon, soient dans ça pour masquer le côté euh, « la France est catholique » dehors tout le monde. Bon, ils invoquent le judéo-christianisme, mais ça ne fait pas de doute. Le, le projet, je le confirme. Euh, et donc, euh, je voulais dire aussi que, donc en fait, là, on, on va effectivement, euh, euh, on s'est réunis et on va actualiser avec le, le, la fin de non-recevoir du préfet, on va actualiser l'appel euh, unitaire pour essayer d'en appeler à Emmanuel Macron un peu sur l'orientation que tu as dite, c'est-à-dire, et puis aussi. Euh, euh, bon, est-ce que Béziers est, 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 est soustrait aux lois de la République Parce qu'effectivement, à chaque fois que c'est les cathos, bon, ben, on peut passer l'éponge. Hein, et puis casser les musulmans, hein, bon, voilà, hein, on peut, non seulement on passe pas l'éponge, mais on cherche. Euh, euh, voilà. Euh, donc, euh, donc, est-ce que Béziers, c'est un cas de séparatisme hein, Est-ce que Béziers est à l'écart des lois de la République hein Est-ce que la loi euh, ne doit pas s'appliquer aussi à Béziers euh, Est-ce que euh, euh, Donc, on a décidé de s'adresser à Macron. Alors, l'appel est en cours de… Donc là, j'ai rédigé les amendements, je vais l'envoyer à tous pour être signé. Et, et euh, c'est vraiment… Enfin, euh, moi, je pense qu'on a des, des perspectives à la fois d'action unitaire et, et de développement de la libre-pensée, parce qu'on est perçu comme un point d'appui au niveau juridique et politique. Et je pense qu'il faut, euh, faut multiplier ça. Alors après, il faut faire attention, parce que côté juridique, c'est vrai que c'est quand même… Euh, c'est quand, enfin, quand même compliqué parce que bon, c'est au cas par cas, c'est crèche par crèche, c'est année par année, c'est ville par ville. Les situations, elles sont différentes. Bon, je pense qu'à Bédarieux, Raymond, le cas, je pense plutôt que l'action, elle est plus politique que juridique. Enfin, c'est compliqué. Quoi. Euh, euh, il faut voir au cas par cas. Voilà. Et, et pour ça, la LP est précieuse, hein, parce que s'il n'y avait pas l'aide bon, de Christian aussi, du national on s'en sortirait pas mais moi je pense que euh, il faut y aller quoi euh, euh, et puis à Montpellier bon voilà je n'épilogue pas parce que bon c'est un rock bon les camarades de Montpellier ont quand même renversé la table hein, parce que euh, personne n'osait soulever le truc et puis maintenant euh, bon moi voilà, c'est quand même le, le problème est sur la place publique euh, euh, voilà le dernier point je voulais poser une question c'est il y a un camarade qui, qui me qui me disait que il y a aussi, bon, Ménard dit la maison commune, ben, la crèche à sa place puisqu'on est de tradition judéo-chrétienne. Moi, je pense que les communes, elles sont nées aussi en 1789. Il y a une forme déjà. Je voulais savoir ton opinion sur ça. Il y a une forme de laïcisation déjà pour bon, de l'état civil, euh, mais aussi les communes, parce que les communes en 89 se sont détachées des paroisses. Euh, euh, donc voilà, je voulais savoir si c'est un argument euh, ou pas. Alban, s'il y en a d'autres, tu les fais il y pas. Il n'y a d'autres. vas il non 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 il n'y a pas d'autres. Ah bon. Euh, j'ai vu là dans la discussion sur euh, euh, si je peux rappeler l'étymologie du mot euh, du terme laïcité. Oh ben c'est assez connu. Hein. Laïcité c'est laïco, c'est le peuple. Euh, donc c'est en fait la laïcité c'est c'est ce que c'est L'intérêt général, c'est la communauté des citoyens, c'est ça qu'il y a derrière. Alors après, ça a pris, il y a, eu, il y a eu deux distinguos. Il y a eu les laïcs et laïcs trémassés qui sont les religieux non ordonnés, c'est-à-dire les croyants qui agissent pour l'église mais qui ne sont pas prêtres, et les laïcs et laïcs UES. Ou sans S, s'ils sont tout seuls, qui sont les partisans de, de la laïcité. Mais la laïcité, c'est à l'origine, ça veut dire le peuple. Et, et ça s'oppose à un autre terme qui était les clercs. Il y avait les clercs et les laïcs. Bon, après, bon, c est, c est, ça évolue. Ça, c'est la, la première chose. Il y a une deuxième question qui est est-ce que imam, les imams sont payés en Alsace-Moselle non. Ben non. Puisque, comme c'est le Concordat de 1801 qui se perpétue, les quatre religions reconnues étaient le catholicisme, les deux confessions protestantes et la confession juive. À l'époque, ce n'était pas reconnu. Donc, ça provoque d'ailleurs euh, toute une série de problèmes parce que euh, pourquoi financer certains et pas d'autres En Alsace-Moselle, comme partout, euh, il y a le développement des évangéliques. On l'a bien vu au moment où il y a eu le cluster euh, qui a, qui a euh, contaminé un, 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 un paquet de gens. Alors pourquoi les, les, les évangéliques eux ne sont pas reconnus Puisqu'ils ne sont pas luthériens ni calvinistes. Euh, mais les, euh, les imams non plus, les bouddhistes non plus. Or, il y a un million de bouddhistes en France. Donc tout ça c'est tout à fait discriminatoire. La seule solution pour pratiquer l'égalité, c'est financer personne, euh, comment dire, puisqu'on peut pas financer tout le monde. Euh, donc ça c'est le principe de laïcité. Alors sur ce que dit euh, Christophe, euh, il est clair que avec l'instauration euh, de l'état civil, on a laïcisé. Les, les communes qui datent de 1789 et quelques. Donc, au point de départ, c'est un principe de laïcisation, l'existence le, des communes, puisque ce plus les paroisses qui détiennent les, les registres paroissiaux. Si un jour vous avez euh, l'envie, euh, de faire une recherche géanalogique sur votre nom ou sur votre famille, bon, à un moment donné, ça s'arrêtera en 1789 dans les, dans les communes, et après c'est dans les registres paroissiaux. Donc là, il y a eu une véritable fracture. Et puis en 91, vous avez eu la constitution des départements, et dans les départements, quand, quand vous voyez euh, la manière dont ça s'est fait, ça montre bien les choses, il n'y a pas un nom de département issu de la Révolution française, et il y en avait, je crois, euh, à peu près 90 à l'époque, qui porte une connotation religieuse. Tous, tous les noms des départements, c'est soit des montagnes, soit des fleuves, soit des terrains, c'est des, des, des options géographiques. Il n'y a aucune connotation religieuse. Il faut attendre 1964, avec la réforme administrative de De Gaulle, pour qu'un département porte le nom de Seine-Saint-Denis. Donc, effectivement, la commune, par elle-même, dès le point de départ, dès qu'elle existe, elle s'est détachée de, 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 de la matrice religieuse des paroisses. Et je trouve que l'argument de Christophe est tout, est tout à fait fondé. Merci. Encore Louis, après on arrête, hein, parce que. Ah oui, c'est qu ouais, bon. Ou, hein. Hein. <laughs> euh, donc Louis, euh, vas-y pour une dernière question. Oui, c'était pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Christian. Euh, moi, j'ai été à l'école. À l'école, euh, les instituteurs, les professeurs étaient tous, euh, ou presque, laïque, et même militant laïque. Euh, on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec le retour d'un certain nombre d'idées réactionnaires, euh, on revoit apparaître ce qu'on appelait la, les guerres de religion, la guerre de religion. Donc, euh, je voudrais savoir par rapport à l'instrumentalisation de, des religions, et en l'occurrence de la laïcité, justement, de la récupération de la laïcité, de la notion de laïcité. Euh, par certains partis. Euh, est-ce que c'est simplement une récupération à but électoral et politicien ou est-ce que ça ne va pas plus loin J'ai bien aimé ton rappel de, de ce qui signifie l'étymologie de, de laïque, c'est le peuple. Ne penses-tu pas que justement cette, cette, ce, re, ce retour vers des idées, des croyances et autres... Euh, anti-laïque quelque part euh, ou euh, intolérante, euh, ne s'agit-il pas d'une instrumentalisation à but profondément politique, c'est-à-dire à but de diviser et de casser le peuple pour mieux l'exploiter Ah ben ça c'est euh, sûr. Euh, mais, mais avant pour rebondir sur ce que tu dis, par exemple, avant les enseignants, ils étaient tous des militants de la laïcité. C'est vrai. Euh, on voit le, le, le grand mal qu'a fait notamment le, le syndicalisme officiel dans l'enseignement. Euh, L'effondrement de la FEN, la disparition du SNI et tout ça, a fait qu'aujourd'hui, euh, euh, vous avez un problème chez les enseignants sur, la, sur leur perception euh, de la laïcité. Parce que le syndicalisme enseignant, à une époque, a été formateur des enseignants sur le terrain de la laïcité. Or, on faisait tous que l'important, c'est former les formateurs. On ne peut pas reprocher aux enseignants aujourd'hui d'avoir du mal à expliquer ce que c'est que la laïcité s'ils n'ont pas un cadre, un endroit pour, pour leur apprendre. Or, dans les écoles normales, euh, enfin dans les UFM aujourd'hui, dans tout ce qui se fait, il n'y a absolument aucun enseignement de la laïcité fait, euh, comment dirais-je, pour, 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 les, pour les maîtres et pour les enseignants. Et donc, bien évidemment, il y, a, il y a une déperdition. Mais il y a, je pense, globalement une déperdition de la culture et de la connaissance, du savoir euh, dans, dans la société. Et c'est un truc volontaire pour abêtir les gens. Euh, on doit être à peu près de la même génération. Nous, nous on, est, on était des générations, euh, après 68, euh, où on se faisait un devoir de connaître, de savoir, d'apprendre, de militer. Euh, Aujourd'hui, il euh, euh, y a un, un langage... Ce pas la faute des gens d'ailleurs, hein, mais c'est euh, le capitalisme a réussi à individualiser les rapports sociaux, à, 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 à faire perdre la connaissance historique et tout ça. Donc il y a un phénomène de réaction globale qui, qui est mené. Pour autant... Euh, c'est vrai que c'est fait, tu as tout à fait raison, pour, pour faire passer les plans du capital et faire placer l'exploitation. Euh, c'est L'instrumentalisation de la religion, euh, ou comme des problèmes nationalistes, c'est fait pour faire passer les plans du capital. Euh, on cite toujours en exemple, à mon avis à juste titre, euh, euh, quand en 1991, en Yougoslavie, euh, le Fonds monétaire international a décidé d'appliquer ce qu'ils appelaient le plan d'ajustement structurel. C'est-à-dire euh, détruire tous les acquis sociaux, les acquis collectifs et tout ça. Ils n'ont pas pu y arriver parce qu'il y a eu une grève générale qui a embrasé toute la Yougoslavie. Quelque temps plus tard, il y a eu les guerres interethniques euh, entre le Kosovo, les Albanais euh, de Yougoslavie, les Serbes, les, euh, les Croates et tout ça. Ils sont foutus sur la gueule allègrement parce qu'en plus, pour la plupart d'entre eux, ils croyaient pas au même Dieu, entre guillemets. Bon, euh, et puis comme ça les plans d'ajustement structurel du FMI sont passés donc euh, derrière bien sûr qu'il y a une volonté réactionnaire il y a une volonté de diviser les gens et tout ça, sauf que le, ça c'est vrai, c est, c est, c est, on ne peut pas nier ça c'est pour ça qu'ils le font hein, parce que même, même électoralement euh, bon là euh, j'ai dit sur l'extrême le, droite ils veulent capter les voix des catholiques, mais c'est une illusion parce que les gens ne sont plus captifs de leur communauté d'appartenance. Les gens veulent discuter librement. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des tendances récurrentes, des trucs et des machins qui fait que des fois que. Mais comment dirais-je, euh, la grande masse des catholiques en France euh, se reconnaît pas dans le discours de haine euh, du Front National et du Rassemblement National. Donc c'est en pure perte. Et puis ces notions de liberté démocratique, ces notions de liberté de conscience, c'est quelque chose qui se développe. Ça se développe tellement que c'est ça la raison pour laquelle plus personne ne dit qu'il est clérical plus personne ne dit qu'il est anti-laïque, parce que c'est tellement contraire à l'opinion majoritaire des gens, bah on pense qu'on veut, et puis on l'exprime comme on veut quand même, c'est la liberté. Donc c'est donc, donc un combat qui de leur part, idéologiquement... Euh, on pourrait dire qu'ils sont convertis à l'idéologie de Gramsci, c'est-à-dire qu'il faut, qu faut convertir les élites pour convertir les, euh, le peuple, mais même ça ne marchera pas. Là, moi, je suis un syndicaliste, la réalité du conflit d'intérêts, de la lutte de classe, il, il, il est permanent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, je veux dire, euh, on ne peut pas dire qu'en règle générale, j'espère que ça va avec ces personnes, mais que le mouvement des Gilets jaunes a été déterminé par un haut niveau intellectuel de compréhension des problèmes de culture. C'était des gens qui étaient à l'agonie, ils se sont battus et ils se battent encore. Et les syndicalistes qui font grève pour la défense des retraites, pour la défense des acquis, de la fonction publique, ils se battent, ils se battent et ils pourront faire toutes les manœuvres qu'ils veulent, ils ne réussiront pas parce qu'on ne peut pas en faire tourner la roue l'histoire à l'envers. Et les gens sont attachés à un certain nombre de principes, de valeurs, ils peuvent proclamer ce qu'ils veulent. D'ailleurs, le fascisme, entre guillemets, avance masqué aujourd'hui parce que s'il avançait à visage découvert, ça serait vite fait réglé. Bon, donc, Mais euh, c'est pour ça qu'il faut faire des conférences comme ça des, pour expliquer un certain nombre de choses. Euh, il y a une grande confusion, mais la vie va, va régler ça parce que les, les, les gens ne sont pas des idiots quand même. Merci. merci. Bon, bah, écoutez, camarades, euh, merci beaucoup à Christian d'avoir donné tous ces éléments. Euh, la vidéo euh, sera bientôt disponible. En tout cas, euh, elle, est dans le, elle est enregistrée. Cette fois, on ne la perdra pas. Et puis, euh, bah écoutez, euh, on vous invite encore une fois à suivre notre actualité. Pour ceux qui ne sont pas encore à la libre pensée, euh, pour les fêtes de Noël, faites un cadeau, faites-vous offrir une, une adhésion. Euh, et puis, euh, et voilà, et n'hésitez pas à continuer à venir à discuter avec nous. Euh, voilà, donc euh, on sera toujours, et puis nous, on va continuer de notre côté. Euh, la bagarre euh, dans notre département. Et puis, bientôt, il va y avoir une bagarre nationale sur la question euh, de la loi sur euh, le renforcement des principes républicains. Je pense qu'il y a une déclaration commune qui est en cours de rédaction. Euh, je n'ai pas vu passer, mais bon, en tout état de cause, il y aura un combat unitaire des associations sur ce terrain-là. Et évidemment, on prendra toute notre place dans le département de l'Hérault, comme on l'a toujours fait, pour euh, euh, solliciter nos partenaires pour mener un, un combat euh, à égalité sans tentative de leadership, sans chercher à parler à la place de tout le monde, sans chercher à driver quoi que ce soit. Ce ne sont pas nos traditions, c'est les traditions d'un autre siècle. Euh, donc voilà, donc on, on continuera euh, sur cette lancée. Euh, voilà, et puis une dernière fois, euh, pensez à, à nous rejoindre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Christian. Au revoir. Et puis euh, passez une bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Ah, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.